Tu veux que je te bombe Marley, Wenzi? Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir. Merci François pour le direct à la télé, également radio. Jusqu'à 22h, Tropicana Live Tour avec Wendy. Wendy, ça va? Salut, ça va et toi? 2 heures d'émission avec toi, ça promet. Hein. Oh là là là. Si là je là fais pas coller tes fesses, oui, ça promet. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait d'émission là? J'ai l'impression que c'est depuis l'année dernière. Oui, c'est ça. Non, j'en ai fait une en janvier. Ça fait plus d'un mois quand même. J'ai pas fait en février. Oui, t'avais fait avec Jim Rama d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, on salue Jim Rama. L'interview donc on va reprogrammer l'interview donc à partir du 7 avril. Donc voilà, pour parce qu'il y a eu un petit souci technique donc dimanche dernier, on va reprogrammer son interview donc le dimanche 7 avril. Avec nous ce soir, Biozéric. Alors, il faut juste allumer mon micro là-bas parce qu'on m'avait éteint parce qu'il faut nous faire l'économie de la pile. Tu as la voix grave, mais sans le micro, on t'entend pas. Oui, ben c'est ça. Bonsoir à tous, comment il est? Ah bah, elle est là. Moi, elle est la même. Ça te dit, moi, elle est la même. Bonsoir la Réunion. Mais il veut couler là. Mais, alors, il faut savoir que d'habitude, c'est moi qui fais. C'est moi qui fais les jeux de mots avec les titres des artistes. Bah, oui, bah, Dani, écoute, à force, on copie sur toi, tu vois. Non, mais copier n'est jamais égalé, hein. Franchement. Oh là là. Quand même, hein. Ne va laisser le temps couler. C'est bon pour moi, si ce sera bon pour nous. Alors, Wendy, je vais te poser une question ce soir. Non. Est-ce que t'as un amour sincère? Oui, j'ai un amour sincère. Ah, bah voilà. Toi, tu as un amour sincère? Baby, don't cry. Ça démarre fort cette émission, le Tropicana Live Tour. Bon, en tout cas, pour ça, t'y arrives. En direct jusqu'à 22h, Biozéric avec nous. Ça sera tout à l'heure pour son interview. On va le cuisiner, hein, Wendy, hein. Oh oui, là, il est en train de macérer, là. C'est pas ça. Là, depuis qu'il est arrivé, je l'ai bien macéré. Là, j'ai dit, toi, tu restes là, bouge pas. Je t'ai préparé un petit truc, là. Pas mal, pas il mal. Il est en stress, là. Là, t'inquiète. Oui, ben... Là, j'ai le truc devant moi. Je sais déjà comment je vais faire ça. C'est non, bien. Mais vous faites peur. Hein. Faut pas avoir peur. On est gentils, nous. Non, il faut pas avoir peur avec nous. Non, jamais. Non, voilà. C'est les questions qui font peur, c'est pas ça. Et encore, quand j'ai préparé les trucs, j'étais de bonne humeur. Hein. Alors imagine si je suis de mauvaise humeur. T'as de la chance. Eh, m'a pas fait rire, moi. On l'a vu, hein. Ah, quand même. Faut y aller, on l'a pas fait. Non, mais en plus, moi, je voyais ça soft. J'envoie le truc à Dani, il me dit, t'es Wendy ou les sauvages, ou ça fait plus à l'idée. Ah non, alors, non, on m'a pas dit ou les sauvages, hein. On m'a dit, c'est violent. Tu m'as dit, tu es pas gentil. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi la... Si je suis gentil, il me dit, on n'a pas la même définition du mot gentillesse. Voilà, c'est quoi la définition de gentillesse pour toi, Wendy? Ben, j'ai été gentil, là. Bon, mais ça va, moi. Bon, tout à l'heure avec Biozéric Nenora, le face à face Biozéric, ça sera avec moi d'ailleurs, donc le face à face, il va poser 10 questions, ça sera tout à l'heure, aux alentours de 20h30. Donc 10 questions et il faudra répondre du tac au tac. Là, Wendy va faire épopée imaginée avec vous, donc ça sera faudra la peur avec elle. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis il nous va parler un petit peu tout à l'heure au début de parcours jusqu'à maintenant, parce que bon, il est vrai que Biozéric, moi, m'a l'avait connu Ali à l'époque dans les anciens studios de Créole FM. Oui. Ouais. Ça date. Je me sens toute jeune là, du coup, c'est bien. Il fait longtemps, nous fait ça. Il fait longtemps. Il fait longtemps. Donc là, nous va revenir un petit peu sur votre parcours, hein, donc tout à l'heure. Et puis pour les personnes qui veulent appeler, donc Wendy. Oui, on a des numéros. Vos appels nous font toujours plaisir, vos messages aussi. Donc pour nous appeler au standard, ça sera le 06 93 488 996 et vos jolis messages qu'on aime tant au 06 92 170 862. N'hésitez pas, vous avez jusqu'à 22h. Voilà, et notamment donc tout à l'heure, Nena, 1024 euros, oui, à gagner. 1024 euros à gagner tout à l'heure. Mais pour le moment, Nena, le jeu C'est jour à gagner.
Wendy. Un séjour dans un hôtel. Yeah. Pas n'importe quel hôtel. Oui. C'est bien ça. Ouais. C'est un, il se situe sur Saint-Pierre, cet hôtel. C'est ça. Alors, toi qui es sur Saint-Pierre, on va te laisser deviner. Non, mais m'y connais, mais le nom m'a aussi m'y trompe. Si je te dis ananas. Ananas ? Ouais. Non, mais je sais pas. En fait. Le Victoria. Ah, d'accord, d'accord. Si, si moi t'es connais, t'es juste pour voir si Aou connaît. Ouais, c'est pour voir si tu t'es suivre. Ouais, bon. C'est... C'est ça. Il dit ananas. Il y a un hôtel qui s'appelle ananas. Non, c'est le Victoria. Le Victoria. Donc, il y a un séjour à gagner à l'hôtel le Victoria. Donc, plus petit déjeuner compris pour deux personnes. Donc, si vous voulez tenter de gagner cette ce magnifique séjour, vous envoyez séjour par SMS au 70 10. Voilà, c'est maintenant les amis, 3 minutes pour participer et Zoti reçoit un message gagnant dans les 3 prochaines minutes. Donc si Zoti reçoit le message gagnant, donc c'est une nouveauté quand même avec nous, si Zoti reçoit le message gagnant, il nous appelle à Zoti de suite, il faut décrocher les amis, hein, décrocher pour avoir le séjour directement au téléphone. Donc séjour par SMS au 70 10, donc un message gagnant dans les 3 prochaines minutes. Donc il reste 2 minutes voilà. Et 37 secondes. Il faut les envoyer là pendant les 3 minutes. Hein, pas avant, pas après, pendant. Voilà, donc séjour par SMS au 70 10 les amis, et tout à l'heure donc, on aura 1024 euros à gagner juste avant l'interview de Biosiric. Voilà. On est gentils nous, séjour à l'hôtel, oui. 1024 euros. Voilà, et puis, c'est Noël toute l'année nous. Bah oui, alors il faut dire que bientôt nous sommes à Maurice avec toute l'équipe. Voilà, et la tournée, la deuxième tournée en septembre d'ailleurs avec moi tout seul. Normalement, elle avait Sylvie, mais bon, Sylvie, on salue Sylvie également qui peut pas venir. Mais voilà, donc ça sera d'ici le mois de septembre, donc nous allons concocter des artistes en live acoustique. Et Nena quand même déjà une là de prévue, ne savent découvrir son nouvel album, donc nouveau EP, pardon. Voilà, on fait bégamant. Est-ce qu'on peut donner juste deux artistes qu'il y aura pour la tournée? Alors, histoire de donner envie aux gens. Alors, la dernière fois, on avait reçu Kadine Alva. Donc, voilà, hein, on va essayer de voir. On aura aussi donc, l'artiste Stel également, voilà, qui sera aussi avec nous. Voilà. Et après, il ne dévoile pas plus. Hein, non, il ne faut pas dévoiler tout non plus. Il faut laisser la surprise. C'est pas bon. Voilà. Ça, donc, pareil à Kinder, ça, on ne connaît pas Kossanina dedans. Merci pour la pub, Wendy. Franchement, alors, à chaque fois, elle y fait des placements de produits dans l'émission. Je devrais être rémunéré quand même. Hein. Oh là là. Daniel dit non. Ne va laisser le temps couler. C'est les bons poux, moi, sera bon poux. Allez, 47 secondes, c'est joué par SMS au 70-10. M'y regarde si, effectivement, Nena, une personne gagnante sur le jeu ou pas. Voilà, donc les amis, c'est parti pour le 70-10. 30 secondes. Si Zot ne veut pas jouer pour Zot, jouez pour moi. Envoie le séjour 70-10 et après Zot, il donne à moi le séjour. Non, mais Wendy, t'es trop gourmande, toi. Ben oui, il faut être gourmande dans la vie. Pas trop de ça, pas trop, hein, quand même, hein, franchement. Allez, 16 secondes. Oui, le retour là-bas. 10 secondes. Non. Yes, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, est-ce que Nena a une personne gagnante sur le jeu ce soir? Et malheureusement, pas encore. Pas encore. Mais... Ça viendra. Ça viendra tout à l'heure. Qu'on mette des petits boutons système en place là. De quoi? Avec des trucs gagnants. Ting. Mais attends pas, merde. Un petit buzz, ouais. Tu vois quand il y a un flop là. Oui, bah. Ah, on veut ça. Bah, allez, bon, il va mettre à côté de Wendy parce que Wendy aime bien. Bah oui, parce qu'il aime bien régler le volume des casques. C'est toi le flop ce soir avec ta coiffure rouge là. Non, c'est pas rouge. Hein, c'est... Noël est passé, Damien. Alors, bah justement, parlons de Noël. Wendy, alors, juste avant de marquer une petite pause, juste avant, donc elle m'a envoyé donc, son épopée imaginaire, elle s'écrit « Joyeux Noël ». J'ai oublié de l'effacer. C'était sur la même fiche que l'épopée imaginaire de Noël, c'est pour ça. Ah, bah,
Bah oui, franchement. Non, mais c'est parce que j'ai vu que t'avais encore ta couleur rouge. Du coup, j'ai dit, bon, peut-être que Dany est en retard. Du coup, je sais pas, je lui dis joyeux Noël. Peut-être que pour lui, il est encore en décembre. Je sais pas, moi, tu vois. Ouais, mais bon, du bon, bah, je vais modifier ça. Hein, donc, ouais. J'avais enlevé pour toi. Bah non. C'est pas moi, c'est l'ordinateur qui a bugué. D'accord, ok. Bah écoute, ne va prendre ça comme un compliment ce soir. Alors, moi, ce que Bi propose d'ailleurs, c'est que nous balance à la. La bonne annonce du mois de mars. On revient avec le clip de Barbuche. Donc Barbuche sera avec nous semaine prochaine, donc en live clavier avec nous. Miffy découvre également donc le nouveau titre de Stelle. Et puis nous attaque l'interview de Viseric. Enfin, oh oui. De face à face. Ah Wendy est content, franchement. Ah. Bon, allez, à tout de suite sur Télécréole et Créole FM. C'est où mon plus beau rêve? Et comme il réveille, il prie pour à côté où il est. Il prie pour à côté où il est. Vous-même, à vous-même on l'a adoré. Avec qui il veut rester. Jusqu'à ton compte, tu vas décider. C'est un blind test, ouais. J'suis avec ta femme, ouais. Plus le temps pour tes paroles quand tu fais non. Tu voulais nous gérer en même temps. Sors devant moi. Mi VP, waouh, on sort devant moi. Walk with my arm, ouais. Sors devant moi. Mi VP, waouh, on sort devant moi. J'ai l'impression que quand t'es pas là, tout s'arrête. Tout s'arrête, tout s'arrête. Allô, baby, allô. T'es parti avec un bout de moi. Allô, y'a ta photo. Dans mon tel, je ne pense qu'à toi. J'ai l'impression que quand t'es pas là, tout s'arrête. Notre histoire est en fait. Où fait voyage à moi, du ciel au ciel l'amour. C'est où il guide à moi, m'y veut jamais éloigne à moi un jour. C'est où Dieu mon repère, quand m'y sent à moi perdu. Tous les jours m'y espère que jamais nous va perdre de vue. Comme un soleil, où réchauffe mon cœur. Comme un arc-en-ciel, la vie avait coulé en couleur. Comme il gagne sommeil, c'est où mon plus beau rêve. Et comme il réveille, il prie pour à côté où il est. À où même on l'aimait, à où même on l'adorait. Jusqu'à ton bon Dieu va décider. À où même on l'aimait, à où même on l'adorait. Avec où il veut rester. Jusqu'à ton bon Dieu va décider. À où même on l'aimait. Chaque
jours y passent, mi sera ou plus fort contre moi. Mi veut toujours ressentir la chaleur de Hugo tous les soirs dans mes bras, dans notre lit. Mi aime ou encore, mi aime ou plus fort. Ah ou même on les met. De retour avec Wendy, ça va toujours ? Ça va toujours. Avec Biozyrique ce soir également. Yes. Bio. Bah, toujours la même. On mange, bah, mange bio ce soir. Ce soir, on mange bio, on boit bio, on fait tout bio. C'est bon pour la santé. Bah oui, bio. Bah oui, c'est cher, bon. Mais c'est bon. N'importe quoi, Wendy. Pourquoi t'es déchaîné comme ça ? Ça le manger, ça. Bah oui, alors, il faut savoir que quand on a fini de manger, en fait, le dimanche, quand, voilà, tout le monde est excité dans ces vidéos. Ouais, les c'est tellement bon aussi. Alors, mais il veut pas voir dimanche prochain avec Sylvie, franchement. Alors, bio, faut savoir qu'il avait pas faim, voilà. Donc, ouais, il a dit, bon, allez, je vais vous accompagner, je vais me servir juste une petite cuillère de riz. Il s'en est servi 4. Là, ça dénonce. Il a bien mangé. Non, mais le petit lot de manger, t'es gaillard, ah bah oui, t'es fait plaisir dans le nez, hein. Râle l'odeur. Prenez mon café, râle l'odeur. Râle l'odeur. Viens là dans mon estomac. On salue Sistamedi également, que là, interprète sa chanson Râle l'odeur. Alors, mais ça fait découvrir vous autres le nouveau titre de Stell. D'ailleurs, son EP qui s'appelle 7, parce qu'il y en a 7 titres sur son album en EP, donc il fait découvrir ça en exclusivité, les amis. Me gusto tito. Quand j'avais dit, ni débit, un peu qui s'est batté, on déjà dit, arrêtez pour entrer, nous ça continue, il n'y avait qu'une seule condition. Soit ta seule addiction, aimer tellement. Mais y'a pas qu'à arriver à comprendre, car c'est plus fort que toi. Tu ne vois pas le mal. T'es larmes. Tu préfères te mettre dans tous tes états, c'est plus fort que toi. Tu ne vois plus le mal. Sèche mes larmes. Oh, passant j'aborde, toi chante. Pas dire qui j'en vais nous bâtir ou à venir. Si vous voulez pas laisser, c'est moi pour pâtir. En pas m'en dire du premier coup, on dit ouais, ça y est. J'ai certains où il fait pour un jour ça peut changer. Mais après, on fait décider d'abandonner ou commander souplesse ou tout.
avait moyen qu'à déchirer, désolé, je ferai mieux demain même. Ultimatum, bac à faire, réagir encore. En savoure, j'ai fait effort. On veut pas laguer, on veut pas couler. Contrôler, passant j'avais en trop chance. Et pas ni bon changement. Et où savent très bien pas ton pas qu'à guérir blessé. Ça t'est bouffé, n'en fais pas faire semblant. Plus si on est sentiment. Et où savent très bien l'amour en nous pas qu'à suffit. Ça t'est bouffé, n'en fais pas faire semblant. Ça, c'est signé Stelle avec sa tépoufine. Oui, c'est bien. Donc, c'est son EP intitulé 7, parce qu'il y en a 7 titres également retrouvés. Donc, chaque dimanche, nous va faire découvrir Zot un titre en particulier. Donc, pour ce soir, c'est son premier titre. Donc, voilà, ça, c'est Poufaine. Une douce voix, la petite ouais. mélodie. Donc, oh. nous va recevoir donc, justement live acoustique pour la tournée parisienne. Yeah! Ça, c'est bien. Ça c'est cool, hein Wendy? C'est cool, c'est chouette. Bon bah, écoute, si c'est cool, c'est chouette, c'est cool. Si c'est bon pour moi, c'est les bons pour nous. Ah quand même. Allez, 20h24 minutes, les amis, place au face à face. Et juste après le face à face, tu prépares votre téléphone portable parce que Nena 1024 € à gagner. Ce soir, juste après le face-à-face avec Biozeric, ce soir. 1024 €. 1024 € à gagner sur le warning, juste après le face-à-face. Ça va toujours, Biozeric? Ah, moi ça va, tranquille. Là, bon, j'écoute. Là, on va commencer en douceur avec toi. Et on va y aller crescendo. Tu vois, on commence par le face-à-face. Même les questions, hein, ça va y aller crescendo. Allez, vas-y. Tout en douceur. Allez, envoie une petite tech là. Ah là là, t'as vu. Chaque chose en son temps, tu vois. On, comme un petit bébé, tout doucement. Oui, tu vois, bah oui. Le bébé commence à quatre pattes, après il marche, il tombe un peu, il se relève. Voilà, tu vois. Petit doucement. Voilà. Petit pas. Vas-y, bon, allez, le face-à-face, vous connaissez le principe ou pas, Bio? Non, dis-moi. Le principe, c'est que Missa pose 10 questions. Et les 10 questions, justement, il faut répondre du tac au tac. Sans réfléchir. Première direct. Ouais, direct. Ouais. Oh, faut... Ouais, oui. Ouais. Ah, allez. C'est pas culture générale. Oui. Allez, c'est parti. S'il y aurait une chose ou une personne qui manquerait à ta vie, ce serait quoi ou qui? T'es... Mickey, pas, mais ça te passe par mon tête. C'est mon défunt mémé côté maman. Défunt mémé Gertrude. Et ouais, parce que ma réponse, elle, dernièrement, elle est décédée dans pas mal, enfin, dans des années, hein. Mais c'est ma réponse à tout ça. Et là, où dis-moi ça, comme ça, ouais, pourquoi pas, ouais. Parce qu'en fin de compte, elle était un petit peu plus jeune, va. Et aujourd'hui, on rend compte que, tu sais, ben, on a des choses où j'aimerais dire, j'aimerais, va. Mais malheureusement, pour être plus jeune, on n'a pas cette mentalité d'aujourd'hui. Et ouais, il fait planer, quoi, ouais. Ouais. Là, il fait planer, on l'a ressenti quand même une émotion. Ouais. Ça, c'est cool. Il t'a hypnotisé là. En une seule question, première question, hypnotisé. Non, mais m'a développé, il développe. Normalement, c'est ça aussi le but, non? Faut développer. Oh, je t'ai dit de pas le regarder dans les yeux. Non, regarde. Wendy, je fais te coller ta fesse. Bon, alors, deuxième question. Si un jour on décrète l'interdiction de la musique, quelle serait ta réaction? Ouais, mais il sera énervé, mais peut-être qu'il y a une cause à ça. Mais ouais, je ne pas me sera énervé parce que c'est moi, la musique, c'est moi, elle est en moi, quoi, elle est ancrée. Et du coup, s'il n'a point ça un jour, s'il n'a plus ça, ouais, c'est sûr qu'il me pète un plomb. Voilà, il pète un plomb. Pète un plomb. La dernière fois que tu as pleuré. Waouh. De rire ou de joie? Les deux. Les deux. De tristesse aussi d'ailleurs. Dernière fois m'a pleuré.
écoutez, ben, envoyez-moi le mot. Ben justement, c'est le principe. Waouh. Allez, la dernière fois. Quand il y a manche pimentée, là. Ah, eh, ouais. Non. Allez, le, c'est un truc bête. Hein. Oui, vas-y. Mais t'es pas fait manger, comment ça ben, dans la semaine. Ah, ben, comme par hasard. Il y a coupe d'oignons. Mais m'a fait un petit peu beaucoup de oignons. Et m'a senti, mais j'étais plein, me dit, ah, oh, première fois, il arrive à moi ça. Mais oui, d'habitude, me dit, ah, mais il colle pas moi ça, jamais. Aïe, faut mouiller les oignons avant de découper. Moins. Oui, ben, vous malgré ça, bien sûr. Ouais. Non, mais c'était, on avait un tarot. Ouais. Et il fallait couper un tarot. Ouais. Il pense que c'est ça. Les oignons, t'es pas d'accord avec voilà. Eh, mais les vrais, on connaît, on va répondre à ma question, merci. De rien. Allez, envoyez le suivant. Pour mon truc, je répondrai pas pour toi. Laisse lui faire. Allez, s'il y avait une année à effacer dans ta vie, ce serait lesquelles? T'es marrant. Enfin, on connaît le Covid, t'es dur. L'année du Covid. Les années du Covid, j'ai envie de dire. Ouais. Mais non, franchement, non, pas les années, mais... Ah, Covid, t'es dur. La fête sans la main. Enfin, la fête sans la main. Déjà, le Covid en lui-même m'a eu le Covid. Et aussi par rapport ben, aux pièces de boulot et tout. Quoi, voilà. Du coup, voilà, c'était dur. C'est la date qui ressort à chaque fois. Ouais. Après, ça a été un mal pour un bien, le Covid. Hein. Oui. Il y en a beaucoup qui ont. Ouais, puis on rebondit par rapport à ça. Oui, j'avoue, hein, j'avoue. Mais pas dur, pour tout le monde. Oui. Non, c'est vrai que ça a été dur. Dans ma part, c'était. Pour ma part, c'était vraiment dur. Donc voilà, c'est un passage à oublier. C'est ça. Mais bon. Ok. La journée que tu aimerais revivre. Eh, mon. Ouais, je sais pas. Et le premier fois. Ouais, quand. Allez, vas-y. Quand madame l'a couché mon premier marmaille, même mon deuxième. Ouais. Ça pas dire pour refaire un autre, mais non, mais parle que le sensation. Jamais 203. Non, mais écoutez, le sensation, il fait planer souvent. La sensation d'être papa, il fait planer. Ouais, ben voilà. Voilà. Ben voilà. Après, voilà. Ok, bon, ça rejoint un petit peu, mais il pense la question suivante. Sur l'échelle du bonheur de 1-10, où ça au place à où? T'es maintenant moins de 10 mains. Non, on connaît pourquoi, parce que. Pourquoi? À moi, ce qui compte pour moi, c'est l'amour de ma famille, c'est mes enfants, c'est ma madame, c'est ma famille même que m'y vivent tous les jours avec. Et ben, m'y nage 100% dans le bonheur avec Bana, même s'il y a des hauts et des bas, comme tout le monde. Hein. Mais m'y dirai pas 5, m'y dirai pas 7, m'y dirai pas 8, m'y dirai 10, parce que ben, m'y crois en mon famille, à ma famille. C'est mignon. Allez, prochaine question. Ah, j'aime bien cette question. À qui tu aimerais dire pardon? Pardon, si j'ai mes pensées. C'est missile, ça, un extrait. Pardon. Et ben, en tout cas, pas à qui, mais connais pas à qui, parce que moi, c'est pas une personne qui me fait du mal. Enfin, moi, il est bien, il cause avec tout le monde, mais il fait pas moins d'ennemis, vraiment. Connais, ben, s'il m'a fait mal à un monde, s'il m'a fait mal, mais que par qui, s'il m'a fait mal à un moon, regarde à moi, là, il écoute à moi. Ben, désolé, mais pardonne à moi, mais en tout cas. c'est coup la rodé. Non, jamais, c'est pas moi. Ben, vous connaissez, ben, pour les gens, ils connaissent moi. Ils connaissent moi, mais tranquille, moi. Ils ne rôdent pas les embrouilles, les emmerdes, mais tranquille. Pardon, quoi. Ben, après, s'il m'a fait une faute, ben, pardon, mais en tout cas, t'es pas voulu. Pourquoi autant, en général. Hein. Pourquoi autant de mal, franchement? Ouais. Pourquoi autant de mal? Non, les vrais, pourquoi? Pourquoi? Ça sera tout à l'heure, les amis, avec Biozoric. Allez, on continue le face-à-face. Quel est ton cauchemar récurrent? T'as un cauchemar récurrent ou pas? Non. Quel est mon cauchemar? Je dois dire la vérité, simplement la vérité. Non, ben, hein, quel cauchemar? Après, c'est pas des cauchemars récurrents, mais que pas où? Des fois, on fait des cauchemars, on dit tata. Ben, ça pas raconte les contextes vraiment du cauchemar, mais que pas sous pied de quelqu'un proche, ça c'est des cauchemars que ben, malheureusement on a pas des idées, mais dans la tête vous connaissez, vous pensez n'importe quoi quand vous dormez la nuit, hein, ou que pas qu'on pense, voilà. C'est, et ouais, peut-être pied d'un proche. Le dernier cauchemar que tu as fait alors?
Ah, je me souviens plus. Aïe, 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 aïe. Wendy, alors, c'est qui le thérapeute? C'est toi, c'est moi ou c'est toi? Je suis ton assistante, je t'aide. À l'assistana. À force de travailler avec lui, je commence à poser, tu vois. Ah oui, à un moment donné... je regarde trop comment il fait pendant les séances d'hypnose. Là. Je fais pareil maintenant. Voilà, c'est ça. À un moment donné, hein, faut se calmer. Hein. Tu te calmes. Hein. Bon. Allez, quelle serait ta profession aujourd'hui si tu avais suivi ton rêve d'enfant? Informaticien. Ouais, ah ouais, parce que même aujourd'hui, je touche toujours à l'informatique, mais malheureusement, je voulais faire ça de mon métier, mais m'a fait autre chose. Et m'a pas suivi les cours qu'il fallait, etc. Mais m'a appris moi-même, mais très autodidacte dans beaucoup de choses que je fais. Quoi. Et aujourd'hui, je voulais reprendre ce boulot-là, mais malheureusement, il est obsolète. Tu connais un ordinateur. Aujourd'hui, acheté, demain, un meilleur qui sort et on a des pièces que. Enfin, voilà quoi. Ma fin trop perdre dans ce domaine-là. Voilà. Si moi, t'es continué là-dedans aujourd'hui, peut-être ce serait autre chose. Mais je ne regrette pas mon parcours de vie. Hein, par rapport... C'est pas par rapport à m'a pas fait ça qu'aujourd'hui, je regrette ça. Non. Au contraire, aujourd'hui, je suis content d'être là. Ben, d'être là déjà avec Zot aussi. Hein. Parce que peut-être si tu étais informaticien, peut-être je ne ferais pas la musique. Bah, t'aimes oui. Pas Zot aujourd'hui. Peut-être on aurait fait la régie pour moi. Pas mal, pas mal. Je t'aurais emmené mon ordinateur à réparer. Ah oui, parce que Wendy avait un souci. La dernière fois, on avait fait une émission avec elle. Elle était en mode énervée parce que son ordinateur était... Ouais, c'était en réparation. Du coup, j'étais connecté avec mon téléphone. Sauf que l'internet, il ramait. On me voyait mal. Ah, j'étais pas bien. Ok, comme moi, où jette l'ordinateur. Prends une note. Ah, prends cette Dani n'a déjà 3 devant. Dani n'a 4 ordi. Là, il faut mailler, là. Non, je l'aime bien, mon ordinateur. Il est très bien. Ah, non, moi, c'est mon bébé, mon ordinateur. Mon bébé, mon ordinateur, c'est mon outil. Ah, merci, ma petite Trabzette. Voilà, voilà. Voilà. Trabzette, si moi j'étais un autre pour moi, oui, un micro. Là, il a fait la même réaction. Tu vois. Allez, dernière question avant de t'habiller le face à face. Le mot ou la phrase que tu détestes, Biuzric? Quel mot ou phrase que tu détestes? Oh là là, réflexion. Quel mot ou une phrase que tu détestes Allez, vas-y. Ça, trop loin de bonnes questions. Ça, pour moi, une question. Ah, t'es trop loin, ça. Wendy, l'assistante. Allez, vas-y. Dis. C'est pas grave si c'est gros mot. Nous va mettre mip. Quel mot mi déteste? Oui, quelle phrase ou quel mot déteste? Ah, mi déteste le mot la moukate. Excusez-moi. Voilà. Non, mais elle est comme ça. Hein. Ben voilà. C'est comme ça, elle est comme ça, me dira jamais ça. Ou vient de dire. Ouais, mais. La moins, là. Faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais. Surtout non, pas dans l'émission. Pas, ne me pas, me pas. Non, il faut. C'est pas, voilà. C'est pas moins, les sales. Non, c'est. Voilà. Très, très sales. Merci en tout cas, Biuzric, pour le face-à-face de ce soir. Je vous en prie. Ça va. C'était bien. Oh, ça va. Je m'attendais à pire quand même. Ben, la pièce, ce sera. Non, mais ça va avant moi. Ça sera avec, avec Wendy ce soir. Alors, Wendy, ne fais gagner les 1024 euros. On peut rappeler un petit peu le principe du jeu. Il y a 1024 euros à gagner ce soir en direct pendant l'émission. 1024 euros, c'est pas négligeable vu le temps qui court avec la hausse des prix. Donc, pour gagner ces 1024 euros, vous devez envoyer le mot TROPIC, 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 au 70... Ouh, j'ai bugué là. Oui, c'est... alors, ça s'affiche à la télé. Donc, au 70-10, TROPIC, au 70-10 pour la Réunion. Et pour la métropole aussi, vous avez le droit de jouer, vous envoyez... TROPIC par SMS au 71 415. Voilà. Jouer. Et comme tout à l'heure, vous avez 3 minutes pour participer. Allez, nous donnons le top chrono, nous deux. C'est bon. Bon. Allez, 3, 2, 1
Et c'est parti. Allez, envoyez. Tropic, T-R-O-P-I-C par SMS au 70-10, les amis. Donc là, c'est dans les 3 prochaines minutes, justement. Donc, s'ils veulent les tirer au sort, donc ce soir, donc automatiquement, donc ils précisent automatiquement sur le logiciel. Là, donc, vous allez appeler, il faut décrocher, il faut dire le nom de l'émission Tropica Night Live Tour. Il ne faut pas dire allô, il faut décrocher dans les 5 premières secondes. Fais pas ne comme, dites pas allô, hein. Voilà. Fais pas comme une personne qui a été tirée au sort. Allô. J'espère que je me dérange. J'adore. D'ailleurs, Wendy, j'ai une surprise pour toi tout à l'heure. J'allais dire comme ça, t'as pris mon billet pour le concert de Kalash, mais c'est passé. Non. En fait, Biseric, non, mais c'est pas dit. Bah si, dis. Oula, fin de commencer. Dis. Non, en fait, Biseric, il est un petit ragamon fin. Tu vois, on est un petit ragamon fin et il veut qu'on fasse un petit freestyle avec lui tout à l'heure. Freestyle? Comment? Ouais, bah oui. Qui s'en est bien? Bien capable, bien capable, bien capable, capable. N'a pas capable, n'a pas capable, n'a pas capable, n'a pas capable. Hey yeah. Allo Wendy. C'est bon, on se calme, I'm sorry. Ah, vous dites I'm sorry. I'm sorry. Allez, laisse foutre tout ouais, à l'heure. Parce que alors les trucs en accéléré là. Alors, comme à l'écoute de moi. J'ai compris que ça là. Je vais pas. Eh, mais m'avait fait un jeu là-dessus. Ouais. Sur Facebook, qui était belle. Hein, parce qu'en fin de compte, on a des chanteurs et des personnes qui ne chantaient pas aussi. Et en fin de compte, on m'a dit, t'es un challenge comme ça, il fait longtemps. Hein. Ouais. Ben, fais autre vidéo, quand Zappo chante mon refrain là. Ah, t'es impressionnant. T'es belle parce que tu vois tout. Et de mon en fin de compte, là, t'es yose, t'es en voix les autres vidéos. Et t'es trop belle. T'es moins mieux riosé aussi, ouais. Ah, quand même. Bon, allez, 30 secondes pour 1024 euros, donc Tropic, T-R-O-P-I-C par SMS au 70-10 dans un instant, épopée imaginaire avec Wendy. Là, imaginez-vous avec 1024 euros dans les poches. Ils rendent service. Ah, après, même, vous allez gagner votre petit séjour à l'hôtel, vous allez pouvoir vous faire plaisir là-bas. Allez, envoyez. Après, envoyez, si vous savez pas quoi faire de cet argent, donnez-moi. Oui, même tout en temps. Allez, 3, 2, 1, et c'est terminé pour le jeu des 1024 euros ce soir. Est-ce que Nélène personne que les têtes tirées au sort roulement de tambour. Ce soir, et malheureusement, non. Et non. Oh, t'es 1024 euros. T'es média au bonnet, il veut pas. Mais donne à nous. Ah. T'as dit, avant, il prend moi. On prend. Ah, t'as 1024 euros. M'a envoyé parce que. Aussi, ouais. Bon, tout à l'heure. Tout à l'heure, on est donc aux alentours de 21h. Donc, on va faire gagner un séjour à l'hôtel Victoria. Hein. Ouais. Donc, toujours des cadeaux à gagner, les amis. Juste après. Juste avant 21h. C'est bon. Allez, c'est parti pour le épopée imaginaire avec. Wendy. Allez, oui. Alors, épopée imaginaire. Yes. Je te laisse deviner, c'est quoi? Tu penses que c'est épopée imaginaire, c'est un truc que vous faites. Enfin, je fais mes mots, voilà. Non, c'est un truc que vous imaginez. C'est qui est pas mal dans le monde de Disney, par exemple. Façon de parler. C'est un quoi. Scénario que j'imagine. Mais là, du coup, je me suis un peu inspirée de situations réelles, tu vois. C'est le genre de choses qui arrivent toujours aux filles. Et là, je me suis dit, tiens, ça va arriver à Bio cette fois-ci. Allez. Tu vois. Donc, du coup, j'ai préparé ce petit scénario. Et pour chaque étape, du coup, tu auras 3 possibilités de réponse. D'accord. Et tu devras répondre. Donc, je me suis un peu renseignée avec Dani, là. Savoir un peu tes peurs. Non, mais il connaît pas rien, lui. C'est quoi, lui pas vrai. Il est hypnotisé. Il connaît, lui. N'inquiète pas. Il connaît, lui. Tiens, écoute, quand j'écoute ses chansons, il y a bien un truc qui ressort souvent. Je dis, OK, bouge pas. Alors, je t'ai préparé un petit truc. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Tu es sûr, tu es prêt? Ah oui, passons-moi à prendre le temps qu'il faut pour répondre. Hein.
tu as passé une très bonne journée. Tu vois, tu as enregistré un son, ou alors tu as fait un clip, je sais pas. Tu vois, la journée, depuis que tu t'es levé jusqu'au soir, elle s'est hyper bien passée. Tout était nickel. Du coup, tu rentres à la maison, tu es tout content, tu retrouves ta femme, tes enfants, voilà, tu les fais dormir. Et du coup, après, vous discutez un peu avec votre femme, vous racontez votre journée, tout ça. Vous allez au lit, vous faites ce que vous avez à faire. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Je sais pas ce que vous faites, si vous allez dormir ou pas, mais voilà, vous faites ce que vous avez à faire. Elle s'endort, tu t'endors. Et dans la nuit, tu te réveilles en sursaut, en sueur, parce que tu as fait un cauchemar. Ah. Et ce cauchemar, un mauvais rêve, un cauchemar. Ce cauchemar, c'est que ta femme te trompe. Qu'est-ce que c'est ta réaction ? Donc, est-ce que tu la réveilles pour lui en parler et demander c'est qui le gars ? Ouais, chérie, c'est qui le gars ? Pourquoi trompe-moi dans mon rêve et tout ça ? Mais c'est un cauchemar. Ouais, c'est un cauchemar. Ah, non, mais tu vois, tu la réveilles, tu dis ouais, j'ai rêvé avec qui tu me trompes et tout ça, tu vois. Ou alors, c'est ce que tu t'endors l'esprit tranquille parce que tu as totalement confiance en elle. Du coup, tu dis ouais, non, c'est bon, c'est qu'un cauchemar. Ou alors, est-ce que tu vas envoyer un vocal à ton meilleur pote pour lui raconter le truc ? Ah non, c'est un rêve. C'est un rêve, un rêve, c'est un rêve, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Tu as confiance alors ? Ah oui, bah oui, là-dessus. Oui. Sûr à 100% tu as oui, confiance. Bah sinon, aujourd'hui, ne serait pas ensemble. Ok. Tu vois ? Enfin, mais parle dans la vie, dans le monde où tu voilà. Oui, okay. Voilà. Il faut avoir la confiance, bah oui, sans poisson. Ok. Ouais. On va y aller crescendo. Ouais. Tu vois, toi-même, tu vas avoir des doutes dans ta tête après. Ah non ! Allez, envoyez, allez, allez, enchaîne. Alors, questions. La nuit passée, du coup, tu t'es rendormi, l'esprit tranquille, voilà. Tu as décidé de lui faire confiance, donc tu t'es changé les idées, ta nuit était bien, t'es passé à autre chose. Donc, tu te réveilles tranquille, tu déjeunes avec ta copine, tu lui dis bonjour, tu dis bonjour aux enfants. Et puis, tout d'un coup, en fait, au moment du café, au moment du déjeuner, tu repenses à ce rêve. Et en fait, tu réalises, dans ce moment-là, que tu connais le gars dans le rêve. Tu vois ? Tu réfléchis comme ça, fait « mais attends un petit coup là. Mais connais gars là, moi. C'est mon meilleur camarade, ça. » Elle t'a trompé avec ton meilleur camarade dans ton rêve. Du coup, comment tu réagis ? Est-ce que tu fais comme si de rien n'était ? Parce qu'encore une fois, tu as confiance, voilà. Même si ta copine a clairement vu sur ton visage que quelque chose n'allait pas. Est-ce que tu pars dans la salle de bain pour te rafraîchir, commencer à te regarder dans le miroir, à imaginer tu vois, la conversation que tu pourras avoir avec elle et tout ça ? Ou est-ce que tu te mets en mode détective privé et tu attends qu'elle part pour commencer la filature ? Ah non, jamais. Eh ben non, ben en gros, un rêve, c'est un rêve, non ? Après, ouais, peut-être avant, peut-être on aurait dit dans le temps, hein, avant, hein. Il aurait dit, comme ça fouillé, comme ça regardé, mais comme ça, juste comme ça. Voilà. Juste comme ça. Juste comme ça, quoi. Juste comme par ça. Par curiosité. Exactement, comme ça. Non, aujourd'hui, franchement, on est 100% en confiance avec ma femme, par exemple. Enfin, ma femme, et elle a confiance en moi. Et du coup, jamais, je ne pourrais pas, même passer de l'eau sur mon visage. Non, ce n'est qu'un rêve. D'accord. Après, il est vrai qu'il y a des rêves, là, il fait mal, il en fait un peu, mais c'est qu'un rêve. C'est d'accord. Qu'un rêve, il ne faut pas voir ça pour la réalité. Ok. Ok. Crescendo, faites au crescendo, oui. Montez où ? Allez à où ? Troisième étape, du coup. Donc, encore une fois, tu as confiance en elle, tu dis rien, ok. Donc, elle va se préparer dans la salle de bain. Et en fait, pendant qu'elle se prépare, elle reçoit un message sur son téléphone. Voilà. Et le message, c'est ton meilleur pote. Ouais. Donc du coup, là, tu commences à te poser des questions. Tu as envie d'ouvrir le téléphone pour voir le message. Mais là, elle a changé les mots de passe. Tu peux pas y avoir accès. Alors, impossible pour toi de voir ce qu'ils se disent tous les deux. Donc elle reçoit un message, un deuxième message. Tu peux pas y avoir accès. Est-ce que tu cherches une solution sur Internet pour savoir comment pirater un téléphone ? Toi qui es informaticien, tu devrais le savoir en plus. Ouais. Est-ce que tu attends qu'elle sorte de la salle de bain pour lui demander son tel parce que tu as besoin de regarder quelque chose, comme par hasard ton téléphone n'a plus de batterie, par miracle ? Ou est-ce que tu fonces dans le tas, tu passes pas par quatre chemins et tu lui dis directement les choses ? Non, ben après, ça se fait pas. Enfin, moi, je me dirais comme il est, hein, on a grandi. Ça se fait pas
de changer le mot de passe comme ça. Bah ouais, mais elle a décidé de changer le mot de passe. Oh. Ouais, bah. Elle a décidé de changer le mot de passe et tu peux pas avoir accès à son téléphone. Ah non, bah, c'est qu'il y a un problème par là, la langue sur roche. Bah voilà, du coup, c'est la question. Qu'est-ce que tu fais du coup? Est-ce que tu cherches une solution sur Internet pour pirater son téléphone? Est-ce que tu attends qu'elle sorte pour lui demander son tel et pour pouvoir fouiller? Tu vois, tu inventes une excuse. Ou est-ce que tu fonces directement non, dans mais, le temps? Non, mais invente une excuse. Tu inventes une excuse ouais. Pour pouvoir fouiller dans son tel? Ouais, pourquoi pas? Parce que, après... Ouais, après... Ou sinon, s'il ne marche pas, il prend le téléphone et il craque le téléphone. On va dire ça comme ça. Non, mais après, il est normal, nous les humains aussi. Hein, faut pas... voilà. Donc, tu lui demandes en premier, tu cherches une excuse. En premier. Ouais. Et si ça ne marche pas, tu craques son téléphone. Ouais. Okay. Non, mais après, ou sinon, il peut... Non, mais vous connaissez quoi ou... vous connaissez les trois, les bons. Les gars bloqués. Non, mais les trois. Et ou sinon, il peut arriver et bloquer direct aussi. Voilà, blablabla. Ok. Ouais, il fonctionne pas comme ça. Ouais, il peut arriver pourquoi aussi. Pourquoi t'as changé ton mot de passe Mais c'est vrai, Mais je pense que peut-être il sera plus là-dessus même. Sur le pourquoi t'as changé ton mot de passe, tu vois, dans l'affrontement, tu lui poses la question direct. Ouais, direct. Tu vois, s'il sort dans la salle de bain ou tombe sur les comas. Oui, écoute. Serviette sur la tête et tout ça. Bah oui, sur la tête, sur le pied, tout. Oui, mais il y a un problème, il faut régler le problème. Bah oui, parce que laisse aller, laisse passer, après, on connaît. Et il fait plus mal après. Hein. Vaut mieux régler les choses direct. Ok, d'accord. Donc, mais du coup, après toutes ces péripéties, du coup, voilà. Donc, tu as eu quand même plusieurs preuves que ta femme te trompait. Tu as eu le rêve. Tu as eu le meilleur pote, le message, le téléphone bloqué, tout ça. Donc, voilà, t'es vraiment pas bien. Tu cherches vraiment à avoir des explications. Et tu finis par avoir des explications avec ta femme. Mmh. Et du coup, tu découvres en fait au fur et à mesure que, au final, elle organisait juste une surprise pour toi. Voilà, pour fêter ton anniversaire ou pour fêter une réussite dans tes projets, tu vois. Ouais. Et donc du coup, elle a voulu organiser ça avec ton meilleur pote. Mais voilà, tu lui as fait tout un caca nerveux parce que elle avait bloqué son téléphone. Donc là, du coup, tu te sens con, quoi. Tu vois. À fond. Là, du coup, tu sais plus quoi dire. Ouais, c'est sûr. Du coup, tu restes silencieux pendant un moment, et puis t'es là, tu réfléchis et tout ça, à comment tu vas pouvoir te sortir de cette situation. Donc, est-ce que tu t'excuses et que tu avoues que tu as fauté, enfin que tu as merdé? Oui. Est-ce que tu retournes la situation et tu dis « Ouais, mais toi aussi, t'avais qu'à pas bloquer ton téléphone, ça se fait pas, on est en couple. » Enfin, tu vois, le truc genre tu l'as fait sentir coupable et tout ça. Ou est-ce que tu te fais pardonner en lui donnant ta carte bleue et elle s'achète tout ce qu'elle veut avec? Mais vraiment tout ce qu'elle veut. Non, mais déjà la dernière, pas oublié. Déjà ça, non. Non, mais c'est la vérité, non. Mais non, Midiel, comme ça, désolé d'avoir fauté. Moi, t'es croyé que, mais en fin de compte, non, c'est pas comme ça. C'était pas comme ça. Merci pour la surprise. Merci pour. Voilà quoi. D'accord. Ouais. Surprise. Et le deuxième, c'était quoi, dis-moi? Le deuxième, c'était est-ce que tu retournes la situation? Non, mais pas... Non, pas comme ça. Parce qu'elle a bonne gueule, comment, quand même? Retourne la situation? Ouais, bonne gueule, retourne la situation. Non. Pas comme ça, toi? Non. Du coup, tu t'excuses, alors? Ouais, bah oui. Ah oui, direct. Tom, dis-toi, excusez. Excusez. Voilà, il va dire excusez. Parce que, écoute, moi t'y croyais ça, voilà, fait mal à moi le fait qu'il change le mot de passe tout, me dire comme il est. Et voilà, désolé pour ça. D'accord. Du coup, morale de l'histoire, qu'est-ce que tu peux en tirer comme morale dans cette histoire? Ne fais pas confiance à tes rêves. À tes cauchemars plutôt. Fais confiance en ta femme aussi, du coup. Ah non, ben ça même si elle bloque son téléphone, tu vois, par rapport au fait qu'elle ait bloqué son téléphone et tout ça, tu vois. Par la morale que tu tires de ça, le fait qu'elle ait bloqué son téléphone. Non, mais non, la morale, oui. La morale, en fin de compte, c'est plus elle, les vrais. Hein. Elle ne doit pas faire ça comme ça, en gros. Enfin, c'est pas une morale. Ouais, comme moi, elle dit, morale, t'es bon. Non, mais les vrais. C'est possible de faire un zoom sur lui là? Attends, vous jouez. Non, zoom pas, les bons. Non, ben non, vraiment. En gros, m'a fauté, mais désolé. La morale de l'histoire, écoute. Déjà, j'ai fait un rêve juste auparavant, un cauchemar.
Ensuite, je vois un message sur mon téléphone. Envisage un message. Bah... Après, tu bloques et tu changes de mot de passe. Voilà. Et du coup, la morale, c'est... Je sais pas quoi dire sur la morale. Qu'est-ce que je pourrais trouver là ? Bah, la morale, c'est de, je sais pas, de faire confiance en son. Oui, bien sûr. Après, faire confiance, oui. Mais après, non, faire confiance, parce que là, là il fait peur, ça, c'est confiance. Là où il y change, ben, imagine. Allez. Elle y change mot de passe, ben ouais. Parce mais... qu'il était connu de sa fouille dans son téléphone. Du coup, ben, elle y change mot de passe. Ben, je sais pas. Oui, voilà. Ah, sans qu'on lui rende son casque, chérie, dans mon téléphone, s'il te plaît, vous en gardez un affaire. Non, jamais. Vous surveillez les trucs non, là. Pas comme ça, non. Donc voilà. Il est perturbé, le garçon. Non, jamais. On l'a, ça on va. L'a perdu. Ça va, ça va. Je suis là, moi. Je suis là, je suis toujours là. Voilà. Alors. C'était bien, c'était bien. Bien. Question, il fallait réfléchir. Non, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est le genre de situation mal, qui arrive aux femmes à chaque fois. On n'a plus là. Non, on n'a plus. Les bons alors. Les bons, on n'a plus. Après, souvent encore, un peu donne à haut. Non, hein. Les bons, les bons. C'est pas un souci. Ah, c'est gentil. J'ai l'imagination ce soir là. Non, les bons. Non, mais les bons là. Avoir... c'est... Après avoir mangé, oui, on a l'imagination. Franchement, merci Wendy pour l'épopée imaginaire. Ça, c'est très bien comme situation. T'as vu, c'est bien. Ouais. C'est tout... c'est... Ça arrive toujours aux femmes. Ça. Parce que généralement, c'est les femmes qui font des cauchemars, qui rêvent que leur mec le trompe et tout ça, tu vois. Là, je me suis dit, bon, allez, on va faire ça en mode bio, cyrique. Ouais. Tranquille. Eh mais les vrais, pas avec moi. Enfin, les vrais, c'est plus les femmes. Ouais, qui... c'est plus les non, femmes. C'est plus... Bon, on avait fait presque la même situation avec Sistalova. oui, c'est Annel qu'elle avait fait la dernière fois. Donc, oui, parce que Nena a toujours le moral de l'histoire. Le moral de l'histoire. Donc, c'est cool. Voilà. 1024 euros ou séjour ? Séjour. Séjour. On a fait les 1024 euros juste avant. Quand même. Et puis, nous va partir sur l'interview de Buzeric juste après. Ouais. 1024 euros, donc. Enfin, non, séjour. Moi-même, il pied à moi. Franchement. Les 1024 euros, c'était avant. Là, vous oui. pouvez retenter votre chance pour gagner le séjour à l'hôtel Le Victoria qui se situe sur Saint-Pierre. Plus le petit déjeuner compris pour deux personnes. Donc, pour participer, vous envoyez le mot « séjour » par SMS au 70-10. Voilà, vous avez 3 minutes là à partir du moment où on va lancer le compte à rebours pour participer et envoyer « séjour » au 70-10. Pas avant, pas après, pendant. On lance le compte à rebours. Attention. 3, 2, 1 et on y go. C'est bon, c'est parti. Séjour au 70-10. 10 pour voilà. gagner un séjour pour deux personnes à l'hôtel Le Victoria, plus petit déjeuner compris. Voilà, d'ailleurs, je salue quand même la directrice de l'hôtel Victoria également, que ben justement, nous ça rebouge un petit peu dans les hôtels bientôt, notamment donc pour une petite émission là-bas à l'hôtel Victoria. Ouais. Ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas fait une toute tournée. Faire un peu d'échange avec les clients, voilà, faire gagner donc, des trucs aux clients. Le Tropicana Live Tour d'ailleurs, ouais. avec Buzyric, nous avions rencontré à nous ouais. à l'hôtel Floralis à l'époque. Ouais, on avait fait une émission là-bas. Mm-hmm. Et du coup, mais c'est ça, Buzyric ça. Il a essayé de se faire pardonner pour avoir douté de sa femme, du coup, ce jour-là, tu vois. T'es pas apprécié tout, moi, le gars, avec tout ce matos, pour fait la TV, il me dit, ah ouais, pas oui. mal, pas mal. Bah, ça fait longtemps, ben, ça fait longtemps. Faut donc, deux ans. Ouais, deux ans à peu près. Ouais. Ça va, deux ans. Ça va, c'était quand on l'avait rentré dans l'équipe, ça, Wendy, deux ans. Oui, ça fait deux ans maintenant. Ça fait deux ans déjà que je suis là. Oui, ça fait deux ans que tu me supportes. Toi, tu me supportes plutôt. Moi, je te supporte très bien, alors. 1 minute 50, les amis, pour participer au jeu. C'est joué par SMS au 70-10. Les amis, si tu reçois un message gagnant directement dans les 3 prochaines minutes... donc il faut décrocher le téléphone parce que voilà, ils ont lagué le séjour, mais il faut décrocher. Décroche toi, parce que la fin arrivée que de mon y participe, il décroche pas téléphone. Voilà, après. C'est ça. Après, là un peu la moins. Mais t'es en train de manger. Voilà, sinon. Mais déjà où ça en plus, ça c'est lui à manger, ça pour de moi, 20h56 d'année. De bah, mon il oui. mange là. Bah alors. Ah nous mange bonheur, mais de mon il mange pas bonheur. Ah ok, le mange d'habitude. Bah 18-19. Bah oui, bah alors. Ça dépend. Bah c'est bon. C'est comme il est en famille, il mange plus tard, nous les dimanches en plus. Bah oui, bah alors. C'est les vacances, nous les dimanches. De moins, il mange tard. Bah oui. Le temps, il fait cuicari, tout les ça. Les capes ou les pas capables ? Pas capables, oui. Oui, là. Bah oui, hein, franchement. Hein. Pas capables, oui.
pas capable quoi. T'as allé s'en faire un freestyle sur le live stream la vidéo. Ah oui, en plus. Un freestyle. Je fais le freestyle et il fait le style. D'ailleurs, il va rajouter un petit metal son juste avril. Ouais, c'est bon ça. De la bonne époque de la connu ça, Wendy. Non, trop jeune. S'il est bon pour vous, sera bon pour moi. Trop jeune, il n'a pas connu ça. C'est bon. Trop jeune. Oui, trop jeune. Quel son? Metalson. Vous n'êtes pas ça, oh. Jeune fille ou tout sur la papa. Attends, va mettre ça pour toi. Allez, attends. 4, 3, 3 2, 1. 0, attends, m'y regarde s'il y en a une personne sélectionnée ou pas. Alors, pour le moment, non. Non. Oh, ah. Mais les gens, ça, tu veux pas gagner une nuit à l'hôtel? Comment ils travaillent là? Dis-donc, refais autre cadeau, ils ne prennent pas? Cadeau pour autres, comme vous avez dit, fais-en. Emmène un cadeau pour autres. Cadeau pour autres. Bon, allez, vous connaissez pas Metasun, Wendy? Mettez un petit coup de chanson, Mathieu, si vous connaissez. Pas mes alçons. Ah, attends, mais Dani, par contre, tu l'as vu depuis tout à l'heure, on fait quasiment créole là. Oui. Putain, normalement, mais cause français, moi. Bah, quasiment créole là. Bah, cause français. Bon là, et puis bon là. Cause français, l'homme qui est passé, c'est ça. Ah ouais. Tu connais pas ça? Ah, si, je connais. Attends. Ah, si, c'est un bon son. Là, non, merci. Je dansais là-dessus quand j'étais jeune. Oui, c'est ça. Soirée, tout ça, théorie, bien sûr, je dansais là-dessus. Ouais, ce que me disait, ce que Wendy est trop jeune. C'est trop vieux. C'est ça, trop jeune. Bon, allez, vous c'est parti. Mon jeunesse. C'est parti pour l'interview de Biozeric ce soir. Si tu veux appeler Wendy, pour les personnes qui nous écoutent oui, en radio. Oui, appelez-nous, s'il vous plaît. Quand un petit peu avec nous, appelle à nous 06 93 488 996. Ou envoie un message si vous êtes trop timide pour appeler. 06 92 170 862 pour les petits messages mignons, tout gentils qu'on aime. Yes! Allez, c'est parti pour Biozeric pour l'interview de ce soir. Biozeric, est-ce qu'il y a une signification à c'est un pseudo? On parle déjà, de pseudo. Déjà, il y a bio parce qu'il mange que du bio. Non, pas du tout. Ben non, mais il mange de la viande. Tu manges de la viande, mais bio? Non, même pas. C'est moi qui est bio. Oh, pas vrai. En fait, Biozeric, en fin de compte, comme moi, m'y appelle. Ben. Mon nom, prénom, moi c'est Ulrich Zibel. Et du coup, avant de te jouer en réseau, me t'écrire moi Zib au lieu de Zibel. Ouais. Et après, ma VSC m'a mettre Biz. On m'a dit Biz, c'est moche. Biz. M'a trouve Biaz, Biaz, m'a trouve Bioz. Je dis Bioz, c'est bien Bioz. Et après, comme le petit cousin, petit neveu, t'écris moi Iric au lieu de Ulrich, m'a mettre Bioz, Iric. Ah, c'est original. Voilà, oui, exactement. C'est une petite histoire derrière. Tout ça le mélange pour Biozeric. Ouais, bah, il fallait trouver un petit nom aussi entre crevette et tout ça, tu vois. Parce que vous savez que mon petit nom ici, c'est crevette. Ah ouais? Ouais, Aïk, vraiment comme un crevette. Mais pourquoi? Il aime crevette, lui. Il aime son crevette. Il ne vit pas sans son crevette. Tout le temps, qui il met la. Tout le temps, à chaque fois, il vient faire l'émission radio, il sauce toute la crevette. Il met la sauce toute dessus. Même ou non? Et là, pendant 2 heures, il mange sa bière, hein? Ah ben. Il mange, il arrête plus. Même après, il lui envoie un message, j'étais mon crevette. Pas fait. Alors ça, non. Alors. Bon, lui, ma crevette. Ça devient n'importe quoi cette émission, franchement. Tu sais pourquoi crevette en plus? Tout ça parce qu'en fait, on avait fait une émission à l'hôtel. Et en fait, il n'a pas fini son assiette de crevettes. Il y avait des crevettes dedans. J'ai dit, Dani, ben, mange de crevettes, ça gaspille ça. Du coup, ben, mange son crevette pouli. Oh. Et ben, du coup, depuis ce jour-là, il perd mon crevette. C'est pour ça, à chaque fois, du coup, il y a un carré camaron et crevette. Elle fait comment? Il prend sa moelle. Non, mais les bon, il a une histoire des. Bien, ce n'est ben, oui, bien, toujours. Bien. Ah oui, heureusement. C'est pour ça, son cheveu est comme moi aussi. Heureusement, t'es pas, je sais pas, un autre nom, comme Cafard ou un autre comme ça, moi. Son cheveu coulé à crevette. Comme ça, tout le temps, il a un moins de souli. Tout le temps. Je suis ancré en lui. T'as dit, ça fait un tatouage crevette aussi. Hein. Ah oui? Ben, il est direct dans le cou. Hein. Fais pas un contact. Sur le cœur. Crevette dans le cœur.
Ouais, pas qu'une psychose, franchement. Profite bien, mais ça lui donne bêtisier, ça, à la fin de l'année. Oui, c'est ça, fin de l'année nous fait un bêtisier. Donc, Biozeric, on est notre propre studio, production. Oui, moi, c'est Biozeric Studio. Ouais. Comme, voilà. Et bah, il fait le son depuis pas mal d'années déjà, depuis beaucoup de temps. Et du coup, Mafin fait des sons pour un beau peu de monde aussi, niveau La Réunion. Hein. Donc voilà, depuis 2005, je crois. Ouais. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, il fait longtemps. Mais avant, on m'était pas compositeur, rien. Avant, on m'était fait DJ. En même temps, on m'était fait informaticien, on m'était fait DJ, on m'a fait DJ Pomicis aussi avant. Pendant des années. Voilà, après, il m'a fait un DJ aussi tout seul, on m'a fait un peu de tous les boîtes de Lille dans le temps. Après, ben, m'a commencé à composer. Moi, t'es chante un petit peu, même t'es chante pour moi. Voilà. Mmh. Mais ben, avant, il faut dire aussi que depuis mes petits, m'a toujours chanté, quoi. Depuis mes bébés, quoi. Et le vrai, maman, il était. Elle la sortie. Oh ouais, non, mais. m'a commencé à chantonner à partir maman de, je sais pas, de quel âge, enfin, un truc à un an comme ça, m'a bien. Enfin. J'étais chantant des chansons. Ouais. Et du coup, après, il m'a fait un peu de chorale aussi à l'église. Mais bon, ça, la PMI à moins de rouvre mon esprit aux autres, afin de montrer ce que m'y fait. Enfin, voilà, chanter devant les autres. Et après, voilà, ben, après, m'a lancé, après DJ, ben, m'a lancé moi dans la composition, m'a chanté aussi, m'a chanté plusieurs compiles dans le temps, fait longtemps. m'a fait mon premier clip aussi, un Sega. Ah, il fait longtemps tout ça, waouh. La bonne époque. Ouais, c'était la bonne époque, franchement, ouais. Et donc voilà, quoi. Et quand on monte au studio de production, là, on enregistre des artistes, c'est ça, ouais, hein, donc oui, par la ouais, suite. Ouais. Et comment on a fait un repérage des artistes? Est-ce que les artistes viennent ni vers où, ou sinon on l'a fait... C'est les artistes qui viennent vers moi. Ouais. Parce que... Bah écoute, par où commencer? j'étais dans un groupe qui s'appelle Zenès Marronnet à Saint-Pierre, à Vimblanche, Big Up Ravine Blanche. Faire la musique par rapport à Badna aussi. Parce que nous avions un petit local, en fait, tous les joueurs m'étaient à pas. Imagine, tous les joueurs m'étaient à pas de mon ordi, mon carte son, toutes les affaires. Mon petit micro, rien du tout, pas la limpe. J'étais fait 3 km à pied dessus notre bras, comme ça, et n'étais à pas, à moins que mon camarade, deux camarades à moi, Mouk et Johan, Arès, Big Up. Du coup, nous, ça amène le truc dans le local, et là, n'étais enregistré de Moon. Et en fin de compte, par rapport à ça, par rapport à la Ravine Blanche, en fait, bah, m'a produit des gens de la Ravine Blanche, m'a produit le groupe Zenas Marronnet. Par rapport à ça, après, dans le secteur 410, ouais, secteur 410, là, vu à moi, mais après, c'était déjà des potes à la base. Du coup, après, moi, commence à bosser avec secteur 410, après, en même temps, moi, bosse avec Missis, etc., etc. Elle a évolué après. Ouais, elle a évolué, elle a fait comme ça après, et après, bah, au fur et à mesure, bah, c'est les artistes qui viennent voir moi. Donc, voilà. Alors, si Nena. Un artiste, c'est un futur artiste qui veut enregistrer dans le studio, par exemple, il prend le cas de Wendy. Très bon artiste qui chante très bien. Voilà, Wendy qui chante très très bien. Céline Dion, version créole. Si elle veut être chanteuse, etc., donc comment ça se passe? Si je veux être chanteuse, comment ça se passe? Contacte à moi sur Facebook. Messenger. Tu donnes tes cours de chant? Non. J'ai besoin d'améliorer. Mais par contre, ma voix. Je suis comme vocal en studio. Par exemple, t'as ton son, t'arrives, enfin, ou arrive, mais quoi, français aussi des fois. Non, ben, fin de dire moi les oreilles. Il s'adapte à la personne. Non, ben, fin de dire moi les oreilles, ben, je comprends le créole, ça va. Non, pas vrai. Et après, du coup, ben, par exemple, on a autre son, mais après, des fois, moi-même, je dirige la personne. Après, on a des gens qui n'acceptent pas. Mais ça t'y accepte pas, malheureusement, ben, les sons, ils restent la même aussi. Après, voilà, ils ne sont pas plus loin. Mais moi, je me dirige la personne parce que moi, je reconnais quoi il peut marcher, quoi il est bon à faire, quoi il n'est pas bon à faire. Et par rapport à tout ça, ben, il y a beaucoup de gens qui m'ont produit la cartonnée, quoi. Et ouais, ben, après, voilà, coach vocal en studio, il me dit ça. Il ne me dit pas coach vocal, il me fait ça comme métier. Non, ce n'est pas mon truc. Mais en studio, moi, j'aime, coach les artistes. T'as vu le petit français, là?
Le petit français commence à sortir là. Alors, non, mais alors, pour Wendy, oui. Par exemple, d'accord. Donc, si demain il y a pas là-haut, etc., déjà, on a fait entendu une petite partie. Qu'est-ce qu'on pense? Non, mais ça, il fait un petit. Il y a dit, il chante bien. On a problème aux oreilles. Non, hein, ben, après. Vous êtes le premier. Vous dites, il chante bien. Vous êtes amoureux. Ça, non, il chante bien. Mais bon, ça va, pour ce que j'ai entendu. Non, tu chantonnes bien. Je chantonne bien. J'ai pas entendu chanter. J'ai pas entendu. Mais non, mais le bien, le bien. Même chantonner, première fois, ils aiment ça. Non, mais ben, bon, parce que vous la suivez comme t'es en off, c'est ça? Et du coup, comme t'es pour chanter, laisser le temps, ou t'es pour faire mais avec une voix fille, voilà, une voix douce. Attends, en fait. Nous fais laisser là, nous balance l'instru là. Allez, vas-y, Wendy. Voyons tout seul, allez. Vas-y, chante, je fais le cœur derrière. Mais là, c'est le couplet, bon. Vas-y. Pour moi, elle est trop importante. Ou c'est la seule qui gagne, fait voir à moins plié. Ou dit que moi, elle est différente des autres qui rôdent, fait son à nous hâter. C'est l'ami, il est tout seul, on s'en bout. Pourquoi ou adresse pas moins la parole? Pourtant nous aime à nous très fort, très fort. C'est pas parce que nous la mal que nous va mettre le tort. Si nous, homme y aime à nous va laisser le temps couler. Si le bon pour moi sera bon pour nous, nous va laisser les choses passer pour résoudre le problème. Nous va laisser le temps couler. S'il est bon pour moi, sera bon pour nous. Nous va laisser les choses passer pour résoudre le problème de tous les jours. C'est... Alors déjà là, comment on trouve elle là, sur... Sois sincère. Il promet à vous qu'il est sincère. C'est Dali, mais je connaît... suis. Il dit à moi, mais je chante bien, il me fait carrière tout de suite dans la musique. Non, c'est question, ça, on connaît toutes les affaires, il demande ça. Il faut de l'entraînement. L'entraînement. L'entraînement chez soi, l'entraînement partout, sous la douche. Tout. Je m'entraîne sous la douche, hein. Entraîne-toi encore. Je déconne. Je m'entraîne sous la douche, dans la voiture, dans les toilettes, dans la chambre. Waouh. Partout, partout, partout. Au studio, dans les toilettes aussi. Ici, bien sûr, dans les toilettes. J'adore. Ça devient vraiment n'importe quoi. Tu sais, moi, j'entends pas ma voix. Et en fait, je crois que je chante bien. Du coup, dans la voiture, j'écoute du calypso. Tu vois ? Et j'aime bien chanter la chanson corps à corps. Mais quand je chante, il y a sa voix derrière. Oui. Pour moi, j'ai la voix de Calypso. Ah, d'accord. Tu vois ? Calypso. Donc, ça fait que quand je chante, ben, moi, ça y est, je sais chanter, je vais faire carrière, tu vois. Sauf que tout le monde me dit que je ne sais pas chanter. Je dis, mais si, je sais chanter, écoute. T'as la voix de Calypso. Bien sûr. Pas mal. Pas mal, ben écoute. Moi j'ai. Ok. Calypso, mon moi, dieu. Moi j'ai la voix de Michael Jackson. Oulala. C'est là. Bon, laisse le temps. Corps à corps, corps à corps. Je ne peux pas me détacher de toi. T'as vu la fuite d'un early l'espoir là, c'est bon, il est pareil, il est parti là. Non, mais ça prend ni. Attends, folle pas. C'est écrit une chanson, mais ça n'est d'autres studios. Pas de problème. Voilà. Mais d'ailleurs, le studio se trouve où Bézéric? À Saint-Pierre. 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 Bah voilà, donc Wendy. Le problème, si c'est le jour à l'hôtel Victoria. Là, là. Après, oui, il m'a fait coach vocal. Pas de problème. Prends le séjour. Et puis, bah, nous attendons pour le titre. Hein. Oui. Ananas. Exclusivité sur Tropica Night Live Tour. Voilà, donc le titre Ananas bientôt. En exclusivité sur. Ananas crevette. Ah, il fait un beau mélange. Et ça est bon, ça. Ah, mais sucré salé. Non, il est bon, ça, qu'il coupe l'ananas en deux, là. Et après, ils mettent crevette dedans avec. Non, tu coupes la crevette en deux, tu mets un petit peu d'ananas à l'intérieur, là. Tu vois, tu non, mais les ou pas encore goûter, ou quand.
Ouais, là, c'est question culinaire. Alors, non, bah, attends. Alors, c'est parti pour la partie culinaire avec vieux Eric et Wendy ce soir, les Allez, amis. Allez, vas-y, je t'écoute. Parce non, que y a, je sais plus comment on fait. J'ai déjà mangé ça beaucoup de fois. Hein. Bah, justement, tu coupes un ananas en deux comme ça. Ouais. Et après, dedans, tu arraches. Enfin, tu prends une. Je sais pas. Hein, tu enlèves. Tu coupes le milieu, oui. Voilà. Et après, ils mettent de la crevette dedans. Et. Du gros piment, non, gros poivron, je crois, je m'en souviens plus. Et après, ils remettent les bouts d'ananas dedans. T'es franchement les bons. Ça fait un ananas farci. Ouais, c'est un peu ça. C'est ouais. Ça, ananas farci à la crevette. Ouais, j'en sais rien. Je sais comment ça s'appelle. Je vais tester un ananas non, farci. Non, regarde sur internet. Passons à internet et ton ami. Hein. Regarde et tu verras. Je peux donner la ref. Ouais. Allez, toi, ta recette, c'est quoi? Ben moi, c'était, tu prends les crevettes, tu coupes les petits ananas en petits morceaux, tu coupes les crevettes en deux, tu mets les ananas dedans et après tu fais... Ouais, mais ça les... Tu fais rôtir, tu fais friter avec du jus d'ananas ou avec du miel, je sais pas. Vous mettez ta crevette. Ah ben oui, mettez ta crevette. Ben Poudani, ça l'aime crevette. Tu ouais, mettre ça, un ça. Prends trois sachets poulies, il est bon. Ah, j'ai mettre les dedans, mec. Trois sachets crevettes. Ne va laisser le temps passer. Laisser le temps d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs tubes d'ailleurs de l'époque. Hein. On a tous dansé dessus, c'est obligé. Ouais, il fait plaisir ça. Franchement, s'il y a des Riolais qui n'ont pas dansé dessus, ils n'allaient plus créoles. Hein, jusqu'à aujourd'hui, les gens, ils impressionnent moins, mais ils ne coupent pas où. Ils impressionnent parce que comme ils savent en prestation, anniversaire, communion, mariage, n'importe, ben, les gens ils chantent ça du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. C'est hein. Un bon après la sortie en 2015, ça ne me trompe pas moi. Et en 2024, les gens ils chantent toujours ça. Hein. Et même les plus jeunes ils connaissent cette musique-là. Et elle est impressionnante. Impressionnant. C'est un peu. Comment. Je sais pas, c'est une musique un peu intemporelle. Mm-mm. On va. Et. Ouais. Bah après, les musiques d'avant. Oui. C'est les musiques d'avant, quoi. Tu vois, oui. C'est pas comme les musiques d'aujourd'hui. Ça, c'est un autre débat, ça. Moi, un choix à faire, je préfère les musiques d'avant quand même, quoi. Oui, c'est normal. C'est un grand débat. C'est un grand, grand, grand débat. Alors, laissez le temps. Ouais. Mala quand même écouté aussi, donc, c'est des années. Donc, Mala réécouté encore, là, à l'instant. Mm-hmm. Et dedans, dans la chanson, on dit où c'est la seule qui fait voir au plus clair. C'est-à-dire. Nous c'est savoir, la nous... seule qui gagne fait voir. C'est la seule qui gagne rouvre mes yeux. C'est la seule qu'il peut tirer moins vers le haut, mais pas vers le bas. Voilà, c'est juste ça, en fait. Ben, c'est juste ça. C'est beaucoup de choses. Ah, et le son live, il les mettant parce que les paroles. Par exemple, le contexte du clip. Le clip, il a une histoire, mais n'importe qui peut identifier dedans. Par exemple, là, c'était quoi ben. Voilà, la femme, là, elle ne voulait pas dire qu'elle était enceinte, elle avait peur, etc. Mais Nabon Penmoun, il traduit ça à d'autres façons. Ouais. Et c'est pour ça que le clip-là, le son-là, il pense que la tourne un petit peu, quoi. Par rapport à ça, de Mouni Gaye identifier d'autres dans la musique. Mais après, c'est par rapport à ce son-là que m'y fait des sons que maintenant, les vraiment. Comment il dit ça quand, à texte, quoi. Voilà, les trucs d'ambiance, tout, oui, ça il faut faire toujours, mais c'est plus pareil. C'est plus pareil. Mais, depuis ce son-là, les vrais, il fait beaucoup de sons à texte. Enfin, vraiment. Réfléchis, quoi. Oui. Des sons où les personnes peuvent s'identifier. Voilà. Après, il faut faire. Pour moi, la musique, c'est ça aussi. Hein. C'est pas que l'ambiance, hein. C'est des sons réfléchis. Mais avec des paroles comme ça qui veulent dire plusieurs choses. Va. Va, ça peut dire aussi bon message subliminal, mais c'est un peu ça. C'est pour ça aussi peut-être que la chanson là, ouais, a duré c'est un peu aussi. Ça, ouais. Ouais, mais on en me compte de beaucoup de choses. Et en parlant de message subliminal, on dit on la laisse le temps couler. Et c'est quoi le résultat au final? Ah ben le résultat c'est que les choses vont bien. C'est que enfin quand on laisse le temps passer, on laisse les choses, comment te dire, on laisse de l'eau couler sous les ponts. Et après, ben le temps que tout y arrange, quoi. Des fois. Voilà, comme Idiao, on a plusieurs définitions, ce son-là, on voit plusieurs descriptions. Enfin, voilà quoi. Et notamment, on dit, enfin, on est là une flamme que l'a déclarée, c'est ça, dans la chanson. Ouais. Alors, c'est quoi ça, cette flamme? Ça, c'est comme ma rouvre mon cœur pour la dame. Ben oui, ben c'est ça, c'est exactement ça, Dani. Alors, et le regard à la télé ce soir. Oui, ah bah... bon, alors si on ressent des émotions très chères, appelle à nous. 693 488 288. Oui, il en ressent en tout cas des émotions. Hein. Et ben, après, vous connaissez, moi, mes sons là,
maintenant, c'est ça aussi. Maintenant, comme il fait des sons, c'est vraiment. Il faut y toucher moins. Vois. Avant que il partage aux autres, il faut vraiment le son, il ressent vraiment. Vois. Et à moi, comme il chante sur scène, et un petit peu de alors off en plus, moi, comme il chante sur scène, moi, même quand on n'a pas la voix derrière, on n'a pas la capella derrière le son. Parce que même quand. Voilà, comme il chante, il ressent le son, ben tout le monde il ressent ça en fait. Ouais. Et il kiffe ça, il adore. C'est pour ça, il ouais, kiffe le live. Il ne fait pas tout le temps du live avec les musiciens, mais il aimerait trop faire que faire ça. Quoi. Parce que c'est avec le live que Ougay exprime à haut réellement. Ça crée une sorte de complicité avec exactement. Toi et le public. Et coup, voilà. Ça, et le n'est public. Pas comme si l'instru chante. Il appelle ça playback quand même, même si on n'a pas la voix dessus, il appelle ça du playback. Parce qu'on met du CD ou clé USB. Les pas, comment te dire, il exprime quand même les émotions, même s'il chante sur un instru, sur une instru, dans une prestation. Mais en live, il n'a rien à voir. Pas pareil. Rien à voir. C'est pas pareil. Ah oui. C'est vrai, parce que tu le. Oui, je sais pas comment l'expliquer, mais oui, je vois. Non, mais il y a une très grande différence. Donc, dommage ce soir, donc le guitariste n'est pas vu. Oui, malheureusement, bien, donc, voilà. Malheureusement. Parce que normalement, on devait faire. Parce que Bio, il sait faire de la guitare, mais il arrive pas à jouer de la guitare et chanter en même temps. Ouais. Non, il est bizarre, mais après le rythme. Bah après. Ah, bah une balance, moi. Après, il n'est pas grave. De toute façon, il joue de la guitare, il joue du piano, il fait un peu de basse. Il manque à moi juste batterie pour apprendre. Mais Miguel joue, Miguel suit, va aussi ou chante, mais à moins que si Miguel chante et Miguel joue, Miguel pas, parce que je sais pas, il y a un blocage et mais trop concentré sur ma voix. Voilà, Dani va débloquer à où? Non. Non, ça va aller. Non, mais si. Dani que tu bloques à où sous le blocage. Il peut faire en sorte de concentrer à où sur les deux. Quoi? Non, non. T'inquiète. Voilà, la façon dont elle a dit ça, franchement. Non, la façon dont elle a dit ça, moi, t'es. Oh. Non, bon, pour les personnes qui regardent la télé ce soir, bon, pourquoi Wendy dit ça? Parce qu'il est praticien d'hypnose également, donc il fait des déblocages au niveau des traumatismes, etc. Donc pour soigner les personnes, voilà, c'est pour ça qu'elle dit ça. Voilà, donc il ne faut pas aller dans l'autre sens. Oui, voilà, n'a pas d'autre sens. Ça porte à confusion quand même. Ouais, bien fait, ouais, bien fait, Wendy. Comme nous. Bon. Allez, 21h19 pour ce soir. On va parler de ce titre Pas Capable. Yes. C'est quoi l'histoire de la chanson d'ailleurs? Ok, ben ça en fin de compte, ça c'est son ambiance. Ouais. C'est bon, son raga. Connais, moi, mais kiffe le son justement, métal, son du style comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, on a des sons que ça sortit, c'est que en battement comme ça. Mm-hmm. Et comment te dire, ce son-là m'a fait sortir, mais depuis quelle année? 2016, je crois, 2017. Mais ce son-là, l'a dormi 4-5 ans avant. Il fait 4-5 ans avant, ça m'a l'a fait. Ouais. Et du coup, comme j'avais un manager avant, mon manager, là, écoute le son, il a dit « Punaise, Bio, ça peut faire sortir ça. » Parce qu'il faut dire que moi, il fait le son tous les jours. Tous les jours, il enregistre en main, tous les jours, il écrit, tous les jours, il fait un instru, tous les jours, il fait beaucoup. Il fait la musique tous les jours. Et voilà, maintenant, une usine de son, on va dire. Carrément. Une usine, sans être prétentieux. Mais Lily a choisi ça. Il dit, bah, après, c'est un des premiers matchs écouté. Il était en haut de la liste. Du coup, il a écouté. Il a dit, ça est bon ça. Ça est bon ça. Il faut faire un truc. Bah, du coup, après, on a fait avec nous la partie voir Mafia Gangsta qui a produit le clip. Il a produit le son carrément. Et bah, après, il a donné ça. Ouais, mais après, c'est vraiment un truc d'ambiance. Hein. C'est pas rodé les paroles qu'il dit. Ouais, c'est vraiment ouais. L'ambiance à gars. Voilà, dancehall, ouais, du genre. C'est vrai, c'est vraiment le son parce que. Voilà. Voilà. Là, c'est. Après, c'est une rythmique non, bon, un peu. Son. C'est pas fast time, mais c'est un autre. Il est bon le son. Merci. C'est. Smash Bubble, fill me up. Wine, fill me up. Wine, fill me up. C'est. Qui ça l'est bien? Bien capable. N'a pas capo, nous, cabane, n'a salé, capable, n'a ben brûlé, ben, le bambou, pas que ça l'est, pas. Il faut qu'il bonne, c'est qu'il bonne. Yeah. I'm sorry, I am a killer. Peut-être le trop fort, ma fille pisse encore. Mais où y'aime bien, raga me finger. I'm sorry, I am a killer. Peut-être le trop fort, ma fille pisse encore. Mais où y'aime bien, raga me finger.
Gamophine. J'ai ça. Ah, on dit, j'adore. Hein. Ah, c'est vraiment. Tu sais, avant, comment tu appelles ça? Il appelle ça le ragamuffin. Ragamuffin veut dire beaucoup de choses. Il veut pas dire juste ragamuffin. Dans le suivre, c'est un truc jamaïcain, quoi. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment du ragamuffin. Alors, Wendy, t'es cap, toi? De faire un petit ragamuffin? Ça va être dans les off. I'm sorry. Donc, vous l'avez dit que c'est le Mafia Gangsta que l'a fait. Ouais, le clip, Mafia hein. Gangsta, ouais. Ouais. Et ouais, où ouais. Ça l'a réalisé le clip d'ailleurs. Comment? Où ça l'a fait le clip? Ah, nous l'a fait Saint-Pierre dans un appart, nous l'a fait Grand Bois. Grand Bois. Waouh, après, faut que je me souvienne le clip là. Là, je m'en souviens plus là. Ramène-nous loin. Ouais, mais jure. Là, on pouvait passer à moi les parties du clip là. Non, mais en gros, on l'a fait dans le sud, que dans le sud ça. Que dans le sud, ouais. Ouais. Ah, t'es belle. T'es belle parce qu'en fin de compte là, nous t'es entouré, c'est une grande équipe, vois. Ben, déjà, on a fait le vidéo, le réalisateur, c'était Seth Killa. Big up à lui en. Ouais, Seth Killa est très bon. Et du coup, big up à lui au passage, parce qu'il réalise pas que ça, il réalise aussi le clip Autant de mal. Mmh. Ouais, et du coup, m'a kiffé travailler avec lui aussi. Et tout ça par le biais de Mafia Gangsta. Et ouais, ben franchement, t'es top, c'était une équipe carrée. Alors, il y a eu Magali Kassim également, oui, qui a fait oui, le scénario. Oui, c'est ça, exactement, ouais. Elle a, ben écoute, ouais, l'équipe là, t'es bien, parce que t'es bien avec Magali, parce qu'elle travaille dans une radio aussi avant. Et du coup, jusqu'à là, elle vient avec elle, hein. Et bah nous, là, elle a proposé à moi, elle m'a dit oui, bah l'on fait. Et du coup, fait le scénario. Hein. Et bah, elle a été fait, elle a fait le scénario. Après, t'es simple, parce que c'est un son ambiance, ouais, pas besoin de gros scénario. Mais ce qu'elle a fait, la donne un bon résultat. Non, Negati décroche, Magali, ce soir. N'appelle les petits coups. Negati décroche. Magali, c'est jamais, hein. Répétez. Tawar, si décroche. Magali, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, ou t'es fan de Moon Magali. 9 et 20 ou... Oui, répondez, des fois il répondez. Pas nul ça, les vrais. C'est pas mal, il faut s'en aller, c'est dans le c'est Magali, entre les deux, où le cœur il balance. Bah, c'est qui ça? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Magali. C'est Dani, Tropical allô Night. Ça va? Allô? Allô? Oui, oui, bonsoir, bonsoir Magali. Bonsoir. Ça va Magali? Allô, allô? Allô? Oui, Magali, vous entendez-moi? Magali, qu'est-ce que tu fais? Allô? C'est Tropical Night Live Tour. Alors, c'est Tropical Night Live Tour, Dani. D'accord. Ça va? Donc. Oui, Dani, vous connaissez Dani? Est-ce qu'elle connaît même pas ou si, ah, connaît. Oui, là, oui, là, je ne comprends pas. Ah, bah voilà. Nous l'en direct ce soir, Magali. Nous avons vieux Eric avec nous ce soir. Bonsoir. Comment il est? Ça va, il fait longtemps, hein? Ouais, grave. Ben ouais, ben nous te parles de où sur l'émission, là. Et du coup, nous te parles du clip Pas Capable. Nous te peux dire comme ça que c'est où, là, elle a écrit le scénario du clip, quoi. Oh, comment ça va? T'as vu? Tu t'en souviens? Oh! Mais oui! C'était bien? Ça va, ouais, ça va. Oui, ben, c'est une bonne vibe, ça. Ouais, c'est cool. Oui. Par contre, on a bien travaillé. Ça. Ouais, donc, franchement, on t'es pas du banassa. En fin de compte, l'équipe, t'es super. Avec cette qu'il a, tout le peu, tout le monde, même les endroits, tout l'a bien passé. C'était un bon truc. On a bien sué aussi. J'avoue. Et toi, ça va, toi? Ben écoute, ça va, tranquille, doucement, tu c'est sais. T'es, tu sais quoi? Ben, dans 3 ans, t'as pas 10 ans qu'on a travaillé sur ce clip. 10 ans, quand même. Non. Si, non. 10 ans? 2017. Ah non, 6 ans. 6 ans. Attends, après vous connaissez, on n'est pas trop bon en maths. Ah oui, non, là. On est en 2024. Elle a fait un saut dans le futur. Non, je dis dans 3 ans. Dans 3 ans, on sera en 2027. Oui, donc, c'est ça. En 2027, c'est ça. Et ben, ça fera 10 ans. Exactement. Ça fait 7 ans. Et ouais, vu le temps, comment il court?
Ninjao. Et depuis ça, on a fait ce petit chemin encore et encore. Ouais. À chaque fois, tu nous sors des pépites. Merci beaucoup. Merci Magali. Ah non, mais après voilà, toi t'es un artiste avec énormément de talent, énormément de sensibilité. Tu as cette capacité-là à être éclectique et oui. De surfer un peu sur toutes les vibes, autant ouais. sur de la dancehall, le terrain, oui. Ah oui. Que ce du blue ou bien de ou du Sega aussi. Ouais, j'avoue, ouais c'est vrai. Non après, voilà, la musique il faut. Si le gars est fait, il ne faut pas avoir peur. Moi-même, il m'a dit, m'y fait, m'y lance à moins si la. Enfin, ça n'a pas dit si la marché, non, parce que c'est un truc réfléchi. Mais en gros, Migan fait du Sega, Migan fait du dancehall, fait des namas. Azote pour ça, il bloque Azote comme ça. Mais à moi, il ne peut pas bloquer à moi. Migan est fait, il ne peut pas voir le son là, il ne saute pas, quoi. en fait, ce n'est pas uniquement que tu gagnes, c'est surtout que. C'est ta sensibilité. Donc, quand ta sensibilité elle va t'emmener vers du Sega, tu iras vers du Sega. Ouais. Quand ta sensibilité va t'amener vers de la dancehall, ton expression, voilà, c'est ça. C'est ton expression qui fait que. Et ben après, c'est toute ta personne parce que, autant artistiquement, tu es un superbe artiste, et autant humainement, tu es une super personne. Et en passant, je fais un petit coucou à la famille aussi. Parce si, que bien sûr. Un gros bisou à la petite famille, les si, enfants et sûr, tout, qui ont dû bien grandir. Pareillement, bien sûr. Ah oui, ah oui, là. Ah. Ouais, mais oui, par contre, merci, touche à moi au fond du cœur, là. Parce que c'est de. Touche à mon cœur, pas au fond du cœur, au cœur. Non, enfin, écoute, j'ai d'entendre des vibes comme ça, des ondes comme ça, très positif. Merci beaucoup. Un artiste, ce n'est pas faire un métier, ce n'est pas en fait que tu as des entreprises qui travaillent à la scène. Un artiste, c'est un être humain avec des hauts et des bas. Oui. Il y a des moments où il va faire des chansons qui vont toucher les gens, il y a des moments où il va faire des chansons qui vont moins toucher. Exact. Ça, on ne sait pas. Ça reste un artiste avec une âme, avec une sensibilité. Et ça, il faut. C'est important en fait. C'est important de maintenir tout ça, c'est important de protéger tout ça et d'encourager tout ça. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. C'est un bon message que tu as fait passer là. Merci beaucoup. Donc, c'est un bon message. Mais pense, hein. Non, mais c'est exactement ça. C'est le bon. Pour moi, c'est un message réel qu'on a fait passer là. Baby, don't cry. Non, mais le pire, c'est que les vrais. Hein. C'est un message vraiment réel, hein. Les vrais. Hein. Parce que les vrais, des joueurs peuvent faire un son qui touche, un joueur peut faire un son et n'est pas obligé qu'il cartonne, quoi, va. C'est ça. Et une chose aussi, c'est que c'est très rare, mais il faut vraiment être doté d'une grande humilité pour cela. Tu sais aussi être, tu sais aussi mettre les autres en avant en écrivant ou en composant des chansons qui seront chantées par d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose de. Des fois, on a de mouner prêt pour batailler avec de mouner pour une chanson. Ouais, bien vous. Et toi, en fin de compte, non. C'est-à-dire que tu le fais, tu le donnes. Peu importe, en fait. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ça. Donc, ce qui fait de toi un artiste complet. Parce que tu n'as pas forcément besoin d'avoir le premier rôle ou. Enfin, ce genre de choses, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Et tu as juste besoin de t'exprimer. Eh, mais si, Yoté. Ouh là là, elle a tout résumé. Bon, mais ça va. Merci. Encore, je l'appelle à moi, mais c'est pour lave mes dents. Si vous n'avez pas compris direct, ouais. Est-ce que Philippe brosse moins dents? Est-ce que Mira croche? Non, mais en tout cas, merci beaucoup, Magali. Franchement, là, mon bouche est propre, bicarbonate. Ah, il voit la bouche est propre, la fait rien, compliment. Non, c'est pas des compliments, c'est la vérité. C'est la vérité, C'est la vérité. Moi, il ne fait pas compliment, moi. Mieux connaît, bien. Si, ben oui. Ben, c'est quand Nespen va recroiser à nous, hein. Ben. Mais toujours la réunion. Ouais, ce serait. Mais toujours la réunion.
Ben bien sûr, mais toujours la même. Bon, toujours. Quelle question, voyez. Franchement, on calcule qu'on est bien à la réalité. Ah, on est bien à la réunion. C'est, après, voilà, c'est un petit caillou. Mais tu te rends compte de la chance qu'on a le matin de te réveiller, d'avoir la mer d'un côté, le soleil, d'avoir la montagne de l'autre côté, le soleil au-dessus de notre tête et un supermarché pas trop loin. On en a au compte. Non, les vrais. Même donne-les aussi la hausse en altitude. Ou trouver un bout de la mer. Non, il fait planer. Donc, et il y a énormément de gens qui n'ont pas cette chance-là. Si, les vrais, les vrais. Les vrais, ça va. Bien évidemment qu'il faut voyager pour voir d'autres choses, pour apprendre d'autres choses, pour se forger et puis s'ouvrir l'esprit. Et quand on est un artiste, ouvrir sa créativité aussi. Bien évidemment, il y a tout ça, tu vois. Mais après... c'est aussi partir pour mieux revenir. Donc, non, mais toujours la réunion, moi. Ben oui. Toujours, non. Ben oui. Ben, c'est quand on se recroisera. On va. Dans le sud? Ben oui, on a boit un café. Mais bois pas café, mais bois jus d'orange. Les bons, pas de problème. On va s'organiser ça, t'inquiète. Merci Magali d'avoir. Voilà, bon, en tout cas, ça fait plaisir. Vraiment, je m'attendais pas qu'il rentre une poula abondante. Ben, mais... Écoute, ça sort. Mais dites, Dani, ne veut mis au téléphone de Mounou. Bah oui, attends. Non, Magali, habitué les d'autres. Ne veut mis le téléphone de Mounou. Ah. Après, un petit peut-être pour boire tequila. Oh mon Dieu, Seigneur. On va éviter. On va éviter ce genre. À consommer avec modération, quand même. Oui, toi-même, tu sais. Mais attention, la consommer avec modération. Bien sûr, bah oui. Magali, on te laisse. Non, ça reste Magali. Hein. Oui. Magali, on te laisse. En tout cas, ça fait plaisir. Après, quand on mange sa nuit. Et l'ami, comment chanter à cette heure Quand on dit sa nuit, ben, déjà moi. Comment commencé sa vie, et puis voilà, à côté de mon cas, il y en a tout. Il y en a deux pâtisseries, il y en a... Les bons, il n'y a pas de problème. Si, si, les bons, il n'y a pas de souci, il nous fait comme ça. On vous laisse terminer l'émission tranquille jusqu'à 22h, ouais, parce que Magali, merci en fait... Merci Dani, belle petite aussi. Dani, c'est vous là, vous lui appelez hein. Dani, quand oui, vas-y, fait. Vas-y. Magali. Non, mais Dani, ton micro, pareil, la pièce de... Là, il a mangé le micro. Elle va t'envoyer là. Mais entends-moi de loin. Oh, entends-moi de loin. Comment ça se fait? Bon, c'est pas grave. Mais entends-moi de loin. Non, en tout cas, il fait plaisir. Voilà. Plaisir. Pas capable d'essayer. Ouais. Pas capable d'essayer. Magali, on te laisse. Bah, bonne soirée. Nous retrouvons. Merci, Magali. Bah, bonne soirée à vous. Allez, et puis, merci. Merci. À bientôt et plein de bonnes choses à toi. Si, bien sûr. Pareillement. Merci beaucoup. Pareillement. Merci. Allez, ciao, bye. Allez, 21h34 pour ce soir. Alors moi, ce que m'y propose d'ailleurs Biozeric, c'est que nous regarde le clip d'ailleurs rendu avec Emmanuel Ivra. Ouais. Donc à moi sincère. Ouais. Mais bon, nous pas de problème. Oui, il nous revient juste après. Allez, à tout de suite sur Télé Créole et Créole FM. Tant désiré,
Allez, de retour sur Créole FM et Télécréole également avec Wensi et Biozyrik ce soir. Ça va toujours, les amis? Ça va. Tranquillou. Bon, tranquille. Biozyrik, il a dansé sur le petit générique à côté. Sur les bouts. C'est vrai, il est parti. Quel sac. Ah, quand même. Hein. C'est un petit freestyle là-dessus, là. C'est. Non. Non, ça va pas le faire. Allez, on va parler de ce clip d'ailleurs que nous venons voir à Montsassin avec Emmanuel Ivara. Yes. Le Joe, alors comment s'est passée la rencontre avec Emmanuel Ivara d'ailleurs? Mais déjà, ben, bonsoir Emmanuel Ivara, pardon, excusez-moi, t'as mis gay coquement. Bonsoir Emmanuel. Non, en fin de compte, ben, nous la croise à nous sur une scène au port là-bas. Oui. Et du coup, elle a causé avec moi, elle a dit, elle aimerait trop faire un son avec moi. Elle aimerait refait un son avec moi et du coup pour voilà et après 2 mois après nous la retrouve à nous même pas deux mois nous la retrouve à nous dans, elle travaille dans une enseigne pardon à Saint-Pierre et moi-même tu travailles dans une autre enseigne du coup m'a été amené à aller dans son enseigne pour travailler et du coup nous la croise à nous ben direct elle dit faut nous faire son là vraiment ben elle a pas maillé à partir de là. On a parti en studio la semaine ensuite, je crois. Ouais. Mais elle a mis dans mon studio d'abord. Nous l'a fait la maquette, la case. Et après, nous a rejoué ça. Parce qu'il faut dire que moi-même, elle n'a pas une place pour faire le batterie, rien dans mon studio. Mmh. Nous l'a refait ça dans le studio de LMP. Ouais. Puis Eric, big up à où. Du coup, il a refait le truc comme nous voulait. Comme nous voulait. Et le son est sorti. Bah, ça fait un an là, je crois. Oui, ça fait un an là. Et moins d'un an, mais franchement, c'était une bonne connexion, une bonne vibes, et nous a bien apprécié. Ouais. Donc avec un scénario bien aussi au niveau du clip également, bien tourné. Donc oui. C'est qui a réalisé le clip d'ailleurs? Bonne réponse. C'est mon camarade Saint-Paul. C'est mon camarade Saint-Paul. On va reconnaître le camarade Saint-Paul. Big up le camarade Saint-Paul. Non, en fin de compte, ce clip-là, l'a été. Ben voilà, et c'est ma femme qui l'a écrit le scénario. Il faut savoir qu'elle y écrit tous mes scénarios maintenant, à part le dernier clip Baby Don't Cry. Maintenant, elle écrit tous mes scénarios et c'est elle, en gros, elle n'a pas la caméra dans les mains, mais c'est elle qui dit au réalisateur de faire ça. Et même au montage, fais ça comme ça. Et il donne ce que vous l'avez vu à l'écran. D'accord. Donc voilà. Bah, on aurait dû amener à coup ce soir, tu sais. Moi, non, mais c'est la prochaine. Bon scénario. Si, à la prochaine, n'a pas de problème, ça. Ah ouais. Si. Là, nous avons fait une épopée imaginaire avec elle, là. J'avoue, oui. T'as vu? Bon, la prochaine fois, d'ailleurs, quand Biozyrik va venir, on va venir avec Biozyrik. Oui. Ça, c'est bien. Au moins, Wendy, on sera là pour faire l'épopée imaginaire. Bah oui. Voilà, bah, oui. Ça va inverser. Bah oui, n'a pas de problème, ça. Voilà, comme dirait aussi le titre Mi veux couler là, moi aussi Mi veux couler là. voilà, donc je fais la transition avec Mi veux couler là d'ailleurs. Donc, c'est quoi l'histoire de la chanson?
Attends, déjà, pour le clip d'Emmanuel ouais. Vera, c'est M Picture l'a fait. Hein. Ah, bah donc, voilà. Voilà, excusez-moi, M Picture. Ouais. oui, donc, Miveco est là. Ben ça, en fait, c'était un son, tu sais, franchement, c'est m'a eu un vibe Maloya. Moi, il fonctionne au feeling, à la vibe, c'est du coup... c'était un son, il fait longtemps qu'on m'a écrit ça. Mais il m'avait pas encore le dernier couplet. Du coup, m'a la bande de son. Et comme elle a renu dessus, ben, il fait quoi, 2 ans que le son est sorti. Comme elle a renu ce son-là, il me dit, bah, c'est un truc de ouf ce son-là. C'est un bon... ben, non, en vrai, il m'a ressenti le musique, quoi. Il me dit, putain, mais m'a fait ça il y a quelques années de ça. Il est vrai, ben, faut dire aussi que la plupart des sons que m'y fait, il m'a pas écrit ça tout de suite, quoi. Il m'a écrit ça il y a des années. Enfin, le son l'est déjà fait depuis des années. Là, après, il m'y retravaille après. Mais son là, me dit, toi, mais ça me fait sortir. Et il n'avait pas une vibe Maloya comme ça à ce moment-là qu'on m'a fait sortir. Mmh. Du coup, ben, moi, il m'a dit, pas grave, moi, il lance, même si de mon. Même si peut-être le vibe c'est pas ça en ce moment, peut-être c'est un raga, peut-être c'est un afro. Il m'a dit non, m'a envie de lancer ce que moi m'y veux. Et du coup, voilà, m'a contacté justement MB Clip. Ouais. Ça, c'est mon réalisateur maintenant. Du coup, Lilia réalise le clip. Et pareillement, c'est ma femme qui l'a écrit le scénario aussi. Voilà, et après, voilà, diriger, etc., etc. Ouais, mais elle a super bien passé aussi. Franchement, on a kiffé aussi. De toute façon, il faut se dire, chaque fois on a clip, chaque fois elle est belle. Parce que c'est ouais, qu'elle est organisée. Mais par contre, il faut être organisé. Ouais. S'il n'est pas organisé, zéro. Hein. Zéro. Quand elle est organisée, quand. Ben, fin de compte, toutes les choses se passent bien, en fait, depuis le début. Quand, et déjà, quand tout le monde est dans un bon mood, une bonne vibes, toute la journée elle est bien. Va. Mais par contre, si au début, il y a quelqu'un, ah ouais. Nanana, même dans le clip, la figure, il ouais, y a un problème. Ah ouais. Hein. Les dieux ont fait semblant des fois. Hein. Donc voilà. Oh, c'est mon nom, grande bise. Après, c'est un son, Miveu Collé là, c'est un son que m'a écrit comme ça. C'est pas un son que l'arrive à moi, quoi que ce soit. Hein. C'est un son que m'a écrit comme ça. Voilà. Mais. Par contre, même comme il dit, il me partage les émotions dans un son. Mais c'est comme à chanter, mais à chanter avec le cœur vraiment. Donc voilà. Nous écoutons un petit extrait en live. Bien sûr. Si vous donnez ma chance, mais va sortir dans la souffrance. Mais vivre tous les jours dans la paix. Mon avenir sans vous, mais imagine même pas. Où mon cas, moi, chérie, mais veux que vous là. Si vous donnez à moi une chance, mais va sortir dans la souffrance. Mais vivre tous les jours dans la paix. Mon avenir sans où, mais imagine même pas. Où mon cas, moi, chérie, mais veux que vous là. Tellement de choses encore à te dire, mais mina même plus la force de guérir, car c'est toi et toi seul qui m'a mis des couleurs dans ma vie. Alors pourquoi, oui pourquoi tu voudrais me laisser là? Et pourtant moi qui étais là quand tu surmontais les épreuves de la vie au ciel. Comment réparer cette douleur insupportable? M'y veux pas perdre mon petit fond idéal. Comment m'y ça fait pour reforger mon âme? Car mon cœur est meurtri. M'y n'a marre d'avoir des soucis. Reviens-moi, ma chérie, je t'aime. Il y a quand même des émotions dans ce titre-là. Hein. Tu as une belle voix. Merci. Pleut pas! Non, oh. Le essuie tout là, je veux. Oh! On l'a fait pleurer. Non, il a une belle voix, voilà. Bon, Miveco est là, et yes. Donc ça a été cela sorti. Donc, il fait deux ans, ça, non? Pareil, 2022, ça, si je ne me trompe pas. Bah, 2 ans. Ouais, bah oui, tout juste. Voilà. Pareil, en juillet 2022, le clip a sorti, si je ne me trompe pas. Donc c'est pas encore 2 ans, 1 an et demi. Exact. Elle va dire non alors, allez. Allez, un an. Voilà. Donc c'est ta femme qui l'a fait le scénario, ouais. Donc sur ce titre-là, ouais. Sur ce clip-là. D'ailleurs, où le jeu de piano, enfin, m'y crois que le jeu de piano au début. Si, au début jouer, hein. ouais, bah, m'y jouer un peu tout l'instrument. M'apprendre tout seul aussi, m'apprendre autodidacte. Le piano, le guitare, tout m'apprendre moi-même.
même la voix. C'est un instrument aussi, hein. Bah oui. Bah oui. Non, et du coup, ouais, m'apprendre moi-même, bah, mieux jouer piano, bah, m'apprendre ça. Après, mieux jouer pas piano comme un grand gars, jouer piano, un classique, là. Mais mieux jouer piano en studio, c'est déjà bien, voilà. En studio, ben, Miguel, on sort à moins. Comme la guitare, pareil. Bah, mais bons, en ça. Live, c'est un autre train, hein. En live, même pour un autre moon, hein. Ouais. Pareil, je sais pas, mieux plus en musicien en studio, moi. Ouais. D'accord. Bah écoute, connais que ça nous fait, prochain coup nous vient faire l'émission de studio. T'as pas la place pour tout ça là, ok. Bah au moins, les musiciens même, non, donc regardez, écoute, en plus, comment il appelle ta femme d'ailleurs? Leïla. Leïla, donc Leïla, donc on fait le scénario tout pour nous, voilà, Conwari nous fait surprise, voilà, Mélène ça vous fait, etc. Non, mais les vrais, de temps en temps, il faut, bah ouais. Alors, en fait, con, faut faire comme, voilà, quoi, comme on l'a dit, pour son anniversaire, tu vois, oui. Des bagues, tout. Bien sûr, surprise. Voilà, surprise. Ouais. Change-moi de passe-tout. À peau de caméra là, ça est beau ça. Après, oubliez la case, oubliez. Non. Allez, il reste quand même 13 petites minutes à passer ensemble quand même. Ouais, franchement, ouais. Tu vas pas de ce dernier titre là, la nouveauté, donc Baby Don't Cry, c'est ça? Ouais. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Écoute, ça, par contre, son là m'a écrit il n'y a pas longtemps, mais m'a fait son leçon direct. En fait, mon réalisateur, MB Clip, il a écouté cette musique là. On était justement en partie fait un truc de musique à Saint-Jean. Et du coup, il m'a fait écouter ça dans sa voiture, sur la clé USB. Il a dit « Wow !» Il voit ça, il voit ça, il voit ça, il voit ça. Et du coup, il m'a dit bah, « Écoute, si tu vois ça, bah, allons lancer le son là. » Et du coup, voilà, il a réalisé ça. Et ouais, c'était bien. Nous regarde le clip alors. Gardez, nous revient juste après. Mais bon, allez, à tout de suite, on va télécrire l'écrire les femmes. Pour me parler, 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 pour me parler
sur tous les doigts. Tu pourrais même t'appuyer sur un de mes bras. Exprime-moi toutes tes pensées. Baby, dans quoi? Ne pleure pas bébé, je suis à tes côtés. Baby, dans quoi? Faut me parler, faut pas laisser ça pour baby, toi. Baby, dans quoi? Oh, faut pas que ça te ronge. Baby, dans quoi? Ne pleure pas bébé, non, pleure pas bébé. Baby, dans quoi? Ne pleure pas bébé, je suis à tes côtés. Baby, dans quoi? Faut pas laisser ça pour baby, toi. Baby, don't cry. Au fond, faut pas que ça te ronge. Baby, don't cry. Ne pleure pas bébé, non, non, pleure pas bébé. Complètement barjou. 20h-22h, Tropical Night Live Tour, en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Télécréole et Créole FM ce soir. Les amis, dernière ligne droite avant de terminer l'émission. Oh. Donc à l'instant, Neuvienne regarde le clip, donc Bibig, donc Cry. Gaffe, un petit acapella pour nous là, de, ce titre, de cette chanson. Oui. Baby, don't cry. Ne pleure pas, bébé, je suis à tes côtés. Don't cry. Faut me parler, faut pas laisser ça pour toi. Don't cry. Au fond, faut pas que ça te ronge. Baby, don't cry. Yeah. Dis-moi ce qui se passe, j'écoute, y'a pas de blême. J'espère que c'est pas à cause de moi ou de nous-mêmes. Yeah. Baby, don't cry. C'est bon, ça rentre à la tête, hein. Voilà, la première fois que moi l'ai écouté, mais c'était, faut me rappeler un coup vieux, j'irai pour inviter dans l'émission. Si, ben, elle a pas maillé, elle a fait ça en direct aussi. Ah oui, mais c'est honnête, c'est bien de sortir. Non, elle est bon, on fait la promo du son, de toute façon, merci beaucoup, merci d'avoir invité à moi. Ce soir, hein, franchement. Ouais. Bah, d'ailleurs, ne va pas de remerciements dans un instant. Ne va pas un petit peu de tes projets là, qui arrivent. Bah, qui arrivent, hein, donc, est-ce qu'on a des projets là, des scènes à communiquer? Non, j'ai pour, plus de projets. Enfin, comment te dire, pas des scènes. Ouais. Par exemple, là, je vais poser sur une compile. Je ne sais pas s'il faut dire, mais bon, je vais poser sur une compile. C'est un Sega. C'est sur une production d'Olivier Bric. Mmh. Ouais. Franchement, c'est le son, c'est du lourd. Enfin, ouais. Après, j'ai des titres aussi, j'ai des Sega. Là, en ce moment, j'ai trois sons qui doivent sortir cette année sur S1. Donc, il y a un Zouk Chiré. Ah. Oh. Je suis la figurante. Hein. Ouais, déjà ça. Et le son, il appelle Nous Capléré. Là, c'est un train. Oh. Ouais. Après, il y a un son, c'est un Raga Dancehall. Midias le projet. Hein. Un Raga Dancehall, mais un peu à la Maître Gims, il appelle Faya. Ouais. Et t'es la seule pour qui j'ai foutu le Faya. Na ça. Après, il y en a aussi un Sega, mais pas cet Olivier. Hein. Un Sega moins aussi, ouais. Et ça... Ouais. Ça, c'est un train aussi, il peut rendre la tête aussi, ces gars-là, parce qu'il parle un peu, ben, on connaît, comme il explique des trucs, voir que les gens, ils peuvent identifier les autres dedans, c'est un peu ça, ouais. Ah. Et c'est Sega, comme moi, Miem, en tout cas. Ouais, il faut, hein. il faut. Après mes projets pour cette année, c'est ça. Il veut pas lancer d'album, mais pourtant il peut. Hein. Ouais. Il veut pas lancer d'album, il peut. Non, il fait single par single. Nous voir comment les choses y évoluent. Et après, ouais, ben après aussi à côté dans la production d'artistes, là, il vient de reprendre un peu, on va dire. Bon, il fait pas la boue avant la pluie, mais on a des artistes aussi qui arrivent aussi dans ma production. Et il arrive là, ça arrive là. Écoute, vous connaissez, la porte est toujours ouverte quand on a des artistes comme ça, on n'hésite pas, on peut la main, en tout cas dans l'émission, sympathique, sympathique. Bien, parce que nous les sympathiques aussi, ah tu vois, sûr, donc nous cale ça quand il arrive, ouais. Et surtout avec du live acoustique, nous aimons bien du live. Oui, bah oui, ma trappe guitare va mettre de voilà. Non, bah, déjà, mais on a tout ça à gérer, donc... Non, mais vous feriez gring, 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 elle me chante dessus, moi. Elle m'a donné Wendy. Ah, moi, m'y fait, moi. Bah, allez, je fais les...
gring, gring. Voilà, nous va caler une émission avec Buzzeric d'ailleurs quand on est là des sorties, donc bien nous, sûr, nous on laisse quand même le temps passer. Hein. Oui, passons aussi au beau pour moi, au revoir. Normalement, c'est bon. Elle était bien placée celle-là. Ah oui, ah, non, il faut bien. Voilà. C'est bien. Nous va laisse le temps passer, histoire de faire, histoire de Konena quand même, trois titres qui sont. Ouais. Et puis nous va recaler mon interview avec du live acoustique pour apprécier la musique quand même, parce que nous, il y a bien. Voilà. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Voilà. Désolé pour aujourd'hui, mon guitariste là, m'a pas gagné. Nous la gagnez pas, c'est un bon moment. Voilà. Pour désolé les auditeurs aussi, peut-être les gens étaient attendus ça, on connaît pas parce que t'es annoncé quoi. Oui. Et ben moi, faire moi un petit coup de choc quoi, un coup de le show. Non mais inquiète pas, on a pas ça. Mais la gérer, la gérer. Franchement la gérer, big up. big up, voilà. En parlant de big up d'ailleurs, est-ce qu'on a des remerciements à faire pour ce soir, Buzzeric? Ah ben oui, ben un gros bisou à ma famille, hein, à mes enfants et big up aussi Olivier Bric là en ce moment, nous entend nous super bien. Big up Télécréole, Créole FM, Dani, Wendy, CIE. Franchement merci d'avoir invité moi, t'es trop belle. Big up MB Clip aussi, celui qui a réalisé mon dernier clip. Et voilà quoi. Big up La Réunion. Mon bonsoir à toutes. Mon bonsoir, mon bonjour, mon bonsoir. Pour les rediffusions. Ouais, c'est ça. Nous va essayer. Ma fine, Nico, connais comment il fonctionne, Esther. Là. Ah oui, bonsoir aussi à Thierry Araï. Aussi. Aussi à Willy aussi, il fait longtemps pas qu'on a vu. Will, pardon, pas Willy. Le mec du week-end, le samedi après-midi. Sur Créole FM. Nous pouvons suivre sur les réseaux également. Oui, sur Buzzeric, sur Facebook, top Buzzeric, tout court, tout simple. Hein. Buzzeric. Ou sinon sur Insta, sur Snap. TikTok, c'est tout ce que vous voulez, voilà quoi. Même sur Twitter, maintenant il appelle X. Ça dit Twitter, il a tout lui. Mais bon, voilà, je tweete pas, mais bon, je me renseigne musicalement grâce à ça, hein, les vrais, parce que vous voyez tout ce qu'il fait dans le monde grâce à ça. Ouais. C'est ça. Il est pratiquement 22h, les amis. Je souhaite à vous une très très bonne soirée. Merci Buzzeric, merci Wendy pour ce soir. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Ciao, bye bye, bonne soirée. Bonne soirée à La Réunion. J'ai l'impression quand t'es pas là, tout s'arrête. Notre histoire des fils en fait.